J'ai besoin d'un signe, on me dit. Nous sommes en direct. Bonsoir, c'est La Tronche est à vous. Il n'y a pas eu son bon générique. Bon, bah on ne sait pas, on verra bien au replay. Mais là, ça fonctionne, vous m'entendez. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire sur le chat pour que l'information remonte. Alors maintenant, j'ai besoin de retirer le retour ici. Oui, je confirme, il n'y a pas eu son bon générique parce que j'avais un onglet d'ouvert et il n'y avait pas de son. Donc c'est que le générique a été sans son. C'est pas très grave. Ce soir, pour La Tronche est à vous, numéro 2, peut-on parler de l'homéopathie? Alors, je vais vous lire un petit éditorial. Et pendant que je lis cet éditorial, vous pouvez aller vous manifester sur le canal Discord qui s'appelle La Question, poster votre position par rapport à la question et ce que vous voulez dire. Et j'irai lire cela et vous donner la parole. D'abord, pour les gens qui sont plutôt favorables à l'homéopathie, parce que si vous êtes plutôt sceptique ou les favorables, bah, en fait, il y a déjà les sceptiques qui en parlent. Et on est déjà assez nombreux. Alors, parmi les sujets classiques de la zététique, l'homéopathie apparaît parfois comme une vieille lune, une rengaine inutile, un terrain facile, confortable, où les zététiciens peuvent pontifier sur ses argots, parler au nom de la science et se donner des airs savants. J'espère que ce n'est pas votre avis et que vous avez un peu plus de respect pour celles et ceux, et ils sont nombreux, qui font confiance à cette pratique de soins, qui la choisissent pour soigner leurs enfants, ceux qu'ils aiment et eux-mêmes. Des millions de Français consomment de l'homéopathie. On peut déplorer qu'ils le fassent sans chercher à se documenter sur la réalité des effets, mais ce faisant, il faudrait y aller mollo sur l'hypocrisie, puisque la plupart de ceux qui consomment des traitements à dose pondérale, donc des vrais médicaments, d'une efficacité éprouvée, n'ont pas fait le travail de vérification eux non plus. Ils se fient à leur médecin, ils font confiance. Et toute la question est de savoir pour quelles raisons on fait confiance à un médecin, pourquoi on préfère parfois des médecines parallèles, et en particulier la plus célèbre d'entre elles, dont on parlera ce soir. Et là, on est face à un problème. Quand on veut faire un travail de sceptique comme le nôtre, on peut consulter la littérature scientifique, en faire une synthèse, la présenter sous la forme d'un livre que je vous invite à acheter, hein, il est bien, les retours sont bien. On peut aussi analyser les discours médiatiques, relever les abus rhétoriques commis régulièrement sur les plateaux télé et jusque dans les colonnes de la presse. On peut décortiquer les stratégies de communication et relayer les données des études sociologiques sur les populations qui font tel ou tel choix thérapeutique. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas faire, jusqu'à présent, c'est débattre avec les médecins homéopathes qui représentent la profession. Ils prennent particulièrement soin d'éviter les sceptiques, pour des raisons qu'on peut imaginer, mais peut-être qu'on a tort. Ils viennent à la télévision délivrer leur message, mais on ne les voit jamais, ni face à une contradiction qui a le temps de s'arrêter sur les détails, sur les présupposés, sur les fallacies, sur les raccourcis, sur les postures et sur les nuances qui entourent la notion d'efficacité. Je n'ai jamais réussi à obtenir qu'un médecin homéopathe, un tant soit peu représentatif de sa profession, vienne sur la chaîne. Bon. Pourtant, ce serait utile. Car il y a toujours le risque de se rendre coupable d'une caricature, de mal cerner le discours que l'on veut critiquer. Il est alors bénéfique pour tout le monde d'avoir un échange où on s'assure de se faire comprendre. Ce soir, La Tronche est à vous, vous aurez la parole donc. Pour cela, vous pouvez utiliser sur notre Discord de canal Question, je l'ai dit tout à l'heure, pour écrire en quelques mots la teneur de ce que vous voulez dire à l'antenne. La posture sceptique étant déjà très présente, on donnera d'abord la parole à ceux qui veulent défendre l'homéopathie, expliquer leur choix, justifier leur position, nous montrer que nous avons raté quelque chose dans notre analyse. Et si des médecins homéopathes en particulier sont présents, je vous invite à nous le signaler, parce que j'aimerais vraiment qu'on puisse avoir cet échange avec eux en priorité. Voilà pour ce qui est de l'angle principal. Je vais me tourner vers le canal La Question pour voir si des gens veulent prendre la parole. Alors, donc c'est un monsieur qui a un témoignage écrit, mais c'est pas lui, donc on va mettre ça de côté pour l'instant, mais yo. Louis de Ulule veut prendre la parole. C'est un sceptique qui n'avait rien contre l'homéopathie, et je crois que ce cher Louis est la personne, je suis presque sûr. Parce que on a un peu de littérature, hein. L'homéopathie, c'est beaucoup de pilules, et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de papier. Des quantités énormes de voilà, pour que les gens puissent se faire la médication à domicile. Et je crois que Louis est la personne qui m'a envoyé ce livre-là. C'est le plus gros du tas. C'est la Bible, ma Bible de l'homéopathie par M. Kemoun.
Voilà, donc il y avait des centaines de pages, 660 pages de conseils, on pourra en parler un petit peu. Voilà, mais c'est pareil, on verra peut-être plus tard, Louis, on va d'abord donner la parole plutôt à des tenants croyants. Je suis contre. Donc pour l'instant, tous ceux qui veulent prendre la parole, pour l'instant, sont des sceptiques. Bon, bah, on a le public qu'on mérite, hein, évidemment. Je vais donner la parole à Louis quelques minutes, dans ce cas-là, pour qu'il nous explique pourquoi lui aurait changé d'avis. Et donc, Louis, je vous donne le rôle d'orateur. Si vous démutez votre micro, normalement, on doit pouvoir vous entendre. Est-ce que ça fonctionne ? Il est muet. Je vais le démuter moi-même. Louis, est-ce que ça fonctionne ? Je n'ai pas l'impression que ça fonctionne beaucoup. Et pourtant, j'ai fait mon travail. Il est démuté chez moi et il a le rôle... Allô ? Bon, bah, si ça marche pas, ça va être vite réglé. Bien, 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 bien. Alors moi, sinon j'ai des notes, hein, je peux vous parler un petit peu. Je n'ai pas duré une heure et demie tout seul, mais je peux parler un petit peu de différentes choses. Je vais vous reconseiller ce livre-là, sauf que c'est le mien. Il y a un lien dans la description pour vous le procurer. Si vous connaissez pas l'homéopathie, vous aurez toutes les infos. Et je pense que Louis est avec nous. Bonsoir Louis. Allô ? Louis est déjà parti ? Merde ! Louis ! Merde, sans déconner, Louis ! Allô ? Bon, Discord est un petit peu difficile à apprivoiser, à domestiquer. C'est notre deuxième émission. Il faut que les uns et les autres, on apprenne comment ça marche. Donc, Louis s'est remuté. Bon, bah donc, on va faire sans Louis pour l'instant. On verra plus tard. On a Dunia, qui est sceptique convaincue. On a Big Pharma, qui est étudiant en pharmacie, qui travaille dans une officine, et qui est bien que sceptique, peut nous parler des cas où il est amené lui-même à le conseiller. Très bien. Donc, je rappelle que ce canal n'est pas pour les questions, mais pour les gens qui veulent prendre la parole. Alors, Big Pharma, je vais vous donner la parole. Vous avez le rôle d'orateur, si ça veut bien marcher, maintenant. Si je vous retrouve, il faut vous démuter, là. Et vous avez la parole, Big Pharma. Vous m'entendez ? Oui. Oui, très bien. Bonsoir. Bonsoir. Alors, étudiant en pharma. Oui, c'est ça, en quatrième année. D'accord. Et moi, j'avais une position par rapport à l'homéopathie, c'est-à-dire que je suis d'accord pour en conseiller, mais en fait en ayant en tête que ça soit uniquement pour du placebo. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui viennent, qui peuvent venir soit à la pharmacie, soit au médecin, et quelquefois... quand ils sont amenés à parler de symptômes qui peuvent se soigner grâce au placebo parce qu'ils ont des contre-indications avec certains médicaments, là-dessus, je veux dire, personnellement, c'est vrai que ça ne me dérange pas. C'est vrai que ce qui me dérange plus, c'est par exemple dans les cas où je reçois une ordonnance d'une homéopathe où il y a 12 lignes d'homéopathie différentes. Donc, en soi, ce serait 12 lignes de placebo. Moi, je voulais vous parler d'un cas alors, qui m'est déjà... Monsieur Big Pharma, il faudrait retirer chez vous les notifications. Parce qu'on entend bim, donc il faudrait aller sur... Vous cliquez sur le petit bouton vert près de votre nom et vous mettez ne pas déranger et on n'aura plus les notifs, a priori. Parce que je pense que ça vient de chez vous. Et donc, voilà, vous êtes amené parfois à le conseiller malgré tout. Je peux comprendre, en gros, parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire. C'est pour ça. Non ? Oui. Alors, excusez-moi, je vais essayer de faire ne pas déranger. Alors, voilà, je crois que c'est bon. Alors, en fait, c'est-à-dire que je me souviens d'une fois d'une patiente qui est venue et qui m'a dit « Oui, j'ai mal à la racine de mon nez. » Elle est venue au comptoir et m'a dit ça. Et je lui ai dit « Est-ce que vous avez consulté un médecin par rapport à ça ?» Et elle me dit « j'ai été voir mon ORL. Donc, du coup, c'est même pas un médecin généraliste, mais c'est vraiment un médecin spécialisé. Donc, ok, très bien. Je lui ai dit, est-ce qu'il vous a prescrit quelque chose, des antidouleurs ? Il m'a dit, oui, mais c'est pas assez suffisant.
Or, je lui dis, clairement, moi, vous savez, à part, enfin, parmi les antidouleurs qu'on peut délivrer sans ordonnance, enfin, on n'a rien au-dessus. Donc, concrètement, vous venez me voir, mais je peux rien faire puisque il n'y a rien sans ordonnance. Et elle est là, elle me dit, oui, mais j'ai mal. Vous êtes sûr que vous avez rien d'autre qui peut me soulager? En gros, Alors, il y a des gens très lourds qui exigent des médicaments. C'est ça. oui, voilà. Alors, moi, dans ma position de sceptique, je lui dis, bah, alors, retournez vers l'ORL. Et elle me dit, oui, mais ça va prendre 6 mois. Alors, allez voir le généraliste, il n'y a pas de problème, il peut vous prendre des antidouleurs. Mais sauf qu'elle insiste. Et donc, alors, ce que je fais, c'est, je lui dis, bah, du coup, bah, si vous voulez, ce que je peux faire, c'est vous conseiller, du coup, une solution homéopathique. En fait, elle est tellement. Elle insiste tellement sur. Enfin, vu qu'elle ne l'écoute pas, que je lui dis que je ne peux rien faire d'un point de vue, enfin, d'un point de vue pharmacologique, de médicaments qui agissent pharmacologiquement, enfin, elle insiste quand même, elle n'entend pas que, faut aller, enfin, que je peux rien lui donner d'autre. Oui. Donc, dans ce cas-là, je me vois obligé de lui conseiller ça. Alors, je lui précise bien que c'est de l'homéopathie, et puis entre guillemets, je considère que tout le monde connaît que c'est quelque chose de controversé. Donc, Alors, est-ce que tout le monde sait je vais ça? prendre l'homéopathie, je regarde, je vois, enfin, douleur à la racine du nez, c'est Cicta pulmonaria, 9CH, 5 granules par jour. Donc, je vais lui chercher ça, je lui donne ça. Et donc, je pense vraiment que, enfin, surtout que l'homéopathie, un tube, concrètement, ça coûte pas trop cher. Enfin, c'est 2 euros, je sais plus combien. Ça peut coûter encore moins cher, hein, concrètement, vu comment c'est fait, ça pourrait coûter moins cher. Mais c'est vrai que c'est vraiment dans ces cas-là où, en tant que sceptique, je me dis, ok, si on l'utilise comme placebo, pourquoi pas? Alors, j'entends Après, bien ça, mais pour vous. le problème que ça pose, c'est que vous conseillez un médicament tout en sachant que ça ne marche pas. Vous mentez à la personne pour son bien, Alors. mais vous lui mentez. Enfin, moi, je me fais du coup, je suis là pour apporter une contradiction et vous contribuez à sa croyance, si elle en est une, que ces médicaments-là ont un réel effet. Et les gens qui croient que ces médicaments-là ont un réel effet, comme ce sont des médicaments qui ont pour principale qualité d'avoir aucun effet secondaire, ils s'habituent à faire confiance à des médicaments qui n'ont pas d'effet secondaire. Et donc quand ils ont un vrai médicament qui a des effets secondaires, ils n'en veulent pas. Et donc on sait que les gens qui consomment de l'homéopathie ont plutôt une observance moins bonne que les autres. Donc le problème qui se pose, et c'est une balance, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Ah, c'est pour ça que moi je vous dis, c'est je le conseille vraiment quand la patiente elle insiste énormément pour que je lui donne quoi que ce soit. Après lui avoir dit, allez voir votre généraliste, allez voir votre ORL, ou allez voir. Enfin, c'est vraiment mon dernier recours et j'insiste bien sur l'aspect homéopathique. Enfin, quand je suis au comptoir, enfin, entre guillemets, on voit que je suis un peu gêné quand je dis est-ce que vous voulez peut-être quelque chose d'homéopathie? Et j'appuie sur le fait qu'on sache que c'est controversé. Et après, concrètement, je ne pense pas qu'elle était, c'était une pro-homéopathe de base, mais en tout cas, elle était en mode pourquoi pas. Elle n'était pas en mode oui, ah ben bien sûr, moi je prends que l'homéopathie. Non, non, elle est en mode pourquoi pas, si ça peut me soulager, mais entre guillemets, elle voulait quelque chose. Et concrètement, soit je lui donnais ça, soit sinon, concrètement, vous savez, dans une pharmacie, il y a plein d'autres médecines alternatives. Il y a la gémothérapie. Par exemple, la gémothérapie, le truc, c'est que ça coûte 19 euros quelque chose. Enfin, je me dis, hors de question pour moi. Oscillococcinum, c'est presque 30 euros la boîte, hein. Alors oui, aussi le coccinum, là, ça, c'est. Je me dis, si c'est pour conseiller de l'homéopathie, moi, je veux que. Enfin, si c'est un placebo, que ça coûte le moins cher, quoi. Les trucs aussi le coccinum, donc c'est 30 euros la boîte Voilà. de 30 doses, ou comme je vous disais, la gémothérapie, où c'est 20 euros le flacon. Je me dis, ou alors les fleurs de Bac, même les fleurs de Bac, Tout à fait. c'est 10 euros le flacon. Je me dis, hors de question, ça. C'est pour ça que là-dessus, non. Mais Mais alors,
Est-ce que, parce que du coup je parle à un étudiant, dans la formation des pharmaciens, quelle est la place de l'homéopathie? Et deuxième question, en officine, qu'est-ce que vous pensez des gens qui mettent en avant l'homéopathie, qui mettent aussi le coccinum sur leur comptoir, qui écrivent parfois bientôt arrive ici le vaccin homéopathique? Qu'est-ce que vous, voilà. Quelle est la place de l'homéopathie dans la formation et qu'est-ce que vous pensez de ces pratiques-là? Alors, la place de l'homéopathie, il faut savoir que ça s'inscrit vraiment lorsque, enfin, vraiment hors du tronc commun du pharmacien. C'est-à-dire que quand on est étudiant en pharmacie, on a d'abord un tronc commun avec tous les étudiants en pharmacie, peu importe quelle filière ils vont choisir après, que ce soit industrie, internat, recherche ou officine. Et après ça, c'est vraiment quand les étudiants sont dans leur filière officine, c'est vraiment à eux qu'on va leur enseigner l'homéopathie. On peut en avoir quelques mots avant dans le tronc commun, mais c'est vraiment à eux que ça s'adresse et ça va s'adresser. En fait, on va. Alors, c'est vrai que je pense pas que on va leur dire, peut-être pas avec un esprit critique, mais entre guillemets, on va leur dire traditionnellement. Pour ces mots-là, pour la toux, pour ce symptôme-là, on traite avec enfin, la solution homéopathique, c'est ça, à tel CH, etc., etc. Donc ça, c'est la place de l'homéopathie. Alors, bien évidemment, il y a du coup, donc ça va être un professeur Et ces spécialisé cours-là, dans la méthodologie. ouais, Oui? parce que qui donne ces cours-là en fait, c'est ça aussi. Alors, justement, en fait, ce sont des professeurs qui sont, en fait, enfin, donc, ce sont des pharmaciens, mais qui sont spécialisés dans la méthodologie du conseil officinal. On a à côté les professeurs qui sont, vous savez, les professeurs plus de la chimie des produits naturels, qui, eux, vont plus avoir, justement, axé sur cet esprit critique-là en disant. Enfin, en nous parlant des différentes dilutions. Je sais que j'ai ma professeure à la fois de phytothérapie et de pharmacognosie qui, elle, nous enseigne la législation des plantes et justement nous fait, enfin, nous parle vraiment de garder un esprit critique D'accord. envers la question de tous ces remèdes homéopathiques-là. Et malgré Donc, tout, moi, tous les. Enfin, est-ce que j'ai répondu? ouais, mais ça répond. Le problème, c'est que il faudrait rajouter un peu d'esprit critique de zététique ou de scepticisme dans le cursus pour remettre ça en cause, je pense, au minimum. Moi Et. concrètement, pour à ce que ça soit dans toutes les filles, enfin même pas que pharmacie, dans toutes les domaines, que ce soit la psychologie, ça faudrait faire des cours communs, des troncs communs avec des cours de zététique, d'épistémologie, ça serait Sûrement. génial. Bah, donc le message est lancé, Concrètement. je suis d'accord avec ça. Et en officine, moi je reçois régulièrement des gens qui prennent des photos de trucs qu'on voit dans les officines qui sont complètement folles. Des Ah oui. vaccins J'en fais homéopathiques, partie. des vitrines achalandées de partout, et des gens qui viennent pour quelque chose et on leur propose en première intention, paf, le produit homéopathique. Et c'est récurrent, c'est pas rare du tout. Qu'est-ce qui se passe avec la profession? Est-ce qu'il y a un. Est-ce qu'on en parle entre étudiants de ce problème-là ou est-ce que c'est totalement. On s'en fout? Ah, en fait, j'ai envie de vous dire, il y a la question de des pharmaciens. Enfin, je sais que moi, du coup, les préparatrices et les pharmaciens avec qui je travaille dans ma pharmacie en sont convaincus, en fait. Ils croient comme un homéopathe à fond dans l'homéopathie. Et c'est en fait, c'est un peu dans cet aspect-là que. En fait, c'est pour ça que j'ai du mal à leur en vouloir, parce que comme ils y croient, ils sont de bonne foi. Et donc, alors après, je dis pas que, et je sais que ça existe, des pharmaciens qui ne croient pas en l'homéopathie, mais qui seraient prêts à en vendre comme ça. Mais j'allais dire, s'ils y croient, il faut les former d'urgence parce qu'ils savent pas ce qu'ils font comme métier en fait. Bah, c'est pour ça que oui, c'est vrai que lorsqu'on est en étudiant en pharmacie, c'est vraiment, je pense, à ce point-là, parce que eux, comme je vous dis, ça fait des années qu'ils pratiquent et qui dispensent des médicaments homéopathiques ou autres. Et le truc, c'est que, enfin, c'est un peu l'engagement, je sais plus comment ça s'appelle, mais le biais d'engagement, Oui, c'est-à-dire le fait que ça fait force de le tellement faire, longtemps ouais. pour un homéopathe, je veux dire, ça fait des années qu'il a prescrit ça et qu'il croit en ça, c'est impossible pour lui de lui dire, bah, finalement, ce que tu as prescrit,
Ça marche pas comme tu le crois. Et pourtant, Et... il faudrait que les gens soient formés à accepter qu'on leur dise ça, parce que c'est le lot de tous les métiers. Au bout de 20 ans, de se rendre compte que la pratique évolue, les connaissances évoluent, et il faut changer. Donc, je pense que. Donc, il y aurait un effet de génération, et vous me dites que ceux qui sont actuellement formés seraient moins tenants de cette pratique-là? Ah, c'est vrai que vu qu'ils y croient et que ils ont et qu'ils en ont même dispensé, c'est-à-dire que comme ils en dispensent, ils se sentent responsables d'avoir Sûr. conseillé d'avoir conseillé un remède homéopathique à quelqu'un qui, par exemple, souffrait d'infection urinaire et qui était donc susceptible d'avoir de voir ton infection urinaire s'aggraver. Ils se sentent du coup responsables, mais du coup, si on leur dit que finalement, entre guillemets, t'as fait de la merde pendant des années, ils peuvent pas l'accepter, ils peuvent pas avoir cette idée-là. C'est dur. Faut savoir C'est pour comment ça manier ça, il faut leur parler gentiment, il faut pas les traiter d'escrocs, etc. Oui. Mais au minimum, il faut en parler. Et j'ai le sentiment que la profession met un mouchoir comme ça pudique sur la question et on veut pas en parler. Et j'aimerais que les pharmaciens aient plus de respect pour leur métier, tous en tant que tels, et disent ça, c'est trop important pour qu'on dise non, non, c'est bon, on laisse comme ça. Je suis peut-être un peu dur, mais c'est le sentiment que ça m'évoque à chaque fois. Bon. Et moi, je suis tout à fait d'accord que c'est enfin faut leur en parler, ça c'est sûr, c'est pas mais c'est vraiment au niveau de la formation, et je pense que c'est un peu le cas. Enfin, moi je vois avec mes gens de la promo, avec ma promotion. Je connais pas les croyances de tout le monde, mais je crois pas qu'il y en ait. Il y a peut-être quelques-uns qui croient en l'homéopathie, mais vraiment, ça serait vraiment une minorité D'accord. aujourd'hui Dounia, si dans vous la êtes prête, promotion. je vais vous donner la parole. Un mot de la fin, monsieur Big Pharma? Non, c'est bon? Rester sceptique. Oui, c'est une bonne idée. Merci beaucoup d'avoir été le Et que premier à. durant la Et que. J'ai pas entendu. Bon, il est vous parti. dites, Je dis, j'ai pas entendu le mot de la fin, en fait. j'ai dit que l'obscurantisme retourne à l'obscurité. Bonjour à Défécateur. Merci beaucoup d'avoir été le premier à prendre la parole. Je vais me tourner vers Dounia si j'arrive à appuyer sur les boutons. Dounia qui va venir nous parler, qui est aussi sceptique. Donc pour l'instant, on est que entre sceptiques, mais on va arriver à peut-être à ce que ça change. Dounia, par contre, je ne vous vois pas dans le canal intervention. Il faut vous connecter à l'intervention pour que je puisse vous donner la parole. Parce que là, ça n'est pas possible. Auquel cas, je vais aller vers Louis, qui, entre les deux, tend à changer de connexion. Mais il n'est pas non plus connecté, parce que c'est Louis V, et je ne vois pas de Louis V dans le canal intervention. Et donc, les gens, vous m'aidez pas beaucoup. Ah, Dounia est arrivée. Auquel cas, je vais aller vers Louis, qui, entre les deux, Alors, par tend contre, il faut couper le son de YouTube, Dunia, s'il vous plaît, parce Ah que bon, là, j'ai ma voix il n'est qui pas revient et la parce que c'est voix est atroce. Il ne faut pas l'écouter. dans le canal intervenant. Ah! Bon, ça y est. Pardon. Ça y est. Tout Ah, fonctionne. excusez-moi, vous m'entendez? On vous entend. Ah, Bonsoir, super. Dunia. Bonsoir Thomas. Enfin, Mandax, pardon. Ça me va, tout me va. Alors, vous, Ah. c'est quoi votre position sur le sujet? Alors moi, je suis totalement, mais à 100% sceptique. Et comme je l'écrivais dans le Discord, je suis atterrée, angoissée, terrorisée, très inquiète, étant originaire du Sud-Ouest, de l'influence des pseudo-médecines, et pas seulement de l'homéopathie. Par contre, effectivement, je pense, c'est pour ça que j'en ai parlé deux fois, je pense que l'homéopathie est entre guillemets contagieuse. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, ici dans le Sud-Ouest, c'est assez culturel, moi qui habite pas très loin d'une célèbre catalane, il est très culturel, par exemple, d'utiliser les huiles essentielles. Et lorsqu'on va acheter une huile essentielle à la pharmacie, je peux vous garantir que j'en ai une bonne dizaine de pharmacies ici, c'est de l'homéopathie directe. On passe d'une huile de lavande à l'oxylococcinum et autres crèmes Oui. homéopathiques de poireaux.
Ça, c'est Et totalement c'est vrai. important. Ce n'est pas une pratique isolée. L'homéopathie correspond parfaitement à une vision du monde qui est plutôt opposée à la médication Tout à fait. classique. Et Tout à fait. c'est vrai. C'est pour ça que je voulais attirer l'attention sur le. Enfin, moi, j'appelle ça la contagiosité. Je ne sais pas comment on pourrait dire autrement, mais je suis très inquiète. Tu vois, par exemple, beaucoup de gens qui. Je ne sais pas si je peux prononcer le mot, qui suivent un célèbre judéo-fruitologue, Oui, mais qui ont. monsieur Maisonneuve. Voilà, oui. Bon, si on va dire ça comme ça. Voilà. Et donc, qui, forcément, abandonnent à 100%. Oui. J'en deviens très émotive, la médecine allopathique. Mais là, Moi, on est dans la dérive. Vous avez raison, la dérive voilà. est toujours possible. On sait bien que, la Miviludes l'a dit depuis quelques années, la porte d'entrée vers les dérives sectaires, autrefois c'était les mouvements spirituels, maintenant c'est une spiritualité qui est orientée nature, aromathérapie, médicaments naturels et antichimiques. Et Tout à fait. typiquement, ce monsieur-là, qui est un gourou, hein, Oui. favorise le passage, mais. Il ne faut pas non plus incriminer tous ceux qui consomment de l'homéopathie, ne vont pas aller vers cette dérive-là. Il y a tellement de gens qui consomment de l'homéopathie que j'ai pas envie que ce soit on passe de raccourci, c'est parce que en fait, mais il ne faut pas tomber là-dedans. Il faut critiquer l'homéopathie pour ce qu'elle fait et pas pour les dérives potentielles, même s'il faut alerter sur ces dérives possibles. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est, et ce soir, si personne n'est là pour en parler, c'est pourquoi est-ce que les gens y croient? Il y a forcément des raisons. Et j'ai pu constater qu'on peut discuter notamment avec des ostéopathes. L'ostéopathie, Oui. c'est pareil, c'est controversé. Et j'ai régulièrement des gens qui commentent et qui disent, tiens, je suis ostéopathe et sceptique. Et j'ai pu en rencontrer même plusieurs. Et je sens que dans cette profession, un désir de faire mieux. Ils se rendent compte, en tout cas ceux qui parlent avec moi, qu'il y a un problème dans le corpus de leur théorie. Ils se rendent compte qu'il y a des critiques qui portent juste sur l'ostéopathie crânienne, par exemple. Ils continuent quand même à pratiquer, avec plus ou moins de bonheur. Mais je sens dans la profession qu'il y a une conscience du décalage entre ce qu'ils prétendent faire et ce qu'ils font, que je n'ai jamais vu chez les homéopathes. Ah, mais ça, tant mieux, on peut s'en réjouir. Je Voilà, crois. pour les ostéopathes, on peut s'en réjouir, mais les homéopathes sont plus nombreux que les ostéopathes. Il me semble. Et de ce côté-là, je n'ai jamais senti cette prise de recul, cette remise en question. Jamais, jamais, jamais. Donc, si ça avait été possible d'en avoir un ce soir, ce serait bien. Parce que c'est étonnant à quel point ça ressemble à du dogmatisme. Et ça rejoint ce que vous dites, en fait. C'est un peu À inquiétant. fait. Tout à fait. Et pour l'anecdote, j'ai dû, enfin, juste pour l'anecdote, j'ai dû, je suis très inquiète, j'attends le vaccin pour mes aînés, comme beaucoup de gens. Le médecin généraliste de ma mère lui a demandé, sous l'exemple d'un certain Thierry C, d'abandonner un célèbre, enfin, j'en suis émotive, un célèbre médicament contre le diabète et l'hypertension. On sait que ce sont deux comorbidités particulièrement graves. Le tout remplacé, je peux témoigner, quand vous voudrez, par de l'homéopathie. Je peux témoigner. Mais je vous crois, c'est des choses qui sont. J'ai gardé l'ordonnance. Voilà. Et donc ça, c'est un médecin qui a fait cette ordonnance. Voilà, tout à fait. Je l'ai gardé. Je ne sais pas si j'ai le droit juridiquement de la publier avec ou sans le nom. Je ne m'y connais pas en droit. Mais je ne vous cache pas que je suis très en colère. Je pense Pour ça. que quand un médecin fait ce genre de choses, il faut dénoncer. Après, il peut se défendre et se justifier. Moi, ça ne me choque pas D'accord. qu'on dise qu'il y a un problème. Mais après, je ne suis pas non plus juriste, donc c'est pareil. Et Voilà. j'ai l'impression qu'il y a une information qui arrive, donc je pourrais en parler peut-être demain, on verra. Tout à fait. Ok, un autre mot, Dounia? Eh bien, tout mon soutien à la communauté zététique et à vous, biologie. Eh ben, c'est très gentil, merci bien. Alors, il y avait quelqu'un qui voulait. Ah, excusez-moi, Oui. juste ne surtout pas lâcher les tranches de feuilles, je les adore. Ben, oui, mais il faut un peu de temps, et pour l'instant, j'ai pas le temps de travailler dessus, mais j'ai bien envie de reprendre dès que je pourrai. Merci beaucoup Bon, d'avoir été avec vous nous. en prie. Mayo, Merci. alors Mayo, c'est la même personne qui a mis un commentaire, et j'aimerais voir avec cette personne, il ou elle, je sais pas trop, qui dit que sa mère y croit, et donc qu'il voulait parler, parce que si sa mère y croit, il y a des raisons pour lesquelles sa mère y croit, et donc je vais vous donner la parole. Est-ce que vous voulez parler, Mayo? Allô, est-ce que vous m'entendez? Tout à fait. Bonjour.
Ça fonctionne. Oui, c'est une longue histoire en fait. Alors, on n'a pas le temps d'aller dans le détail. Je vais essayer de faire court, mais voilà, fait, voilà, comprendre les éléments cruciaux. Oui, j'aurais aimé que ma mère témoigne, mais ça a été compliqué. Je pense qu'il y a pas mal de pression aussi à venir exposer sur la place publique le choix qu'on a fait d'une famille en fait, de diriger le soin. Et on l'a vu avec Madame Captain aussi récemment, la pression derrière le fait d'être une bonne mère aussi n'est pas du tout évident. Donc je vais essayer de vous résumer un peu, parce que j'ai 4 pages de texte, donc je ne vais pas tout vous lire, je vais essayer de vous résumer ça dans les grandes lignes, sur ce qui a fait que l'homéopathie a occupé une certaine place dans la pharmacie de la famille. Donc on a une fratrie de 5 enfants. Donc on y est tous passés. Alors voyons voir. Donc ça a été en fait assez tôt pour ma mère. Sa maman était pharmacienne, elle a vécu dans une famille autour de la santé, et c'est quelque chose qu'elle a reçu comme soin et qui était présent en fait très tôt déjà. Donc je pense que ça a eu le temps de faire pas mal de chemin. Très tôt, dès qu'on était bébé, ça a été des médicaments, des petits bobos comme on appelle. Les choses en fait ont été corsées avec certains épisodes. On a par exemple des otites à répétition, des sourdités pour ma sœur, pour lesquelles les médecins n'avaient pas vraiment d'explication. Dans ce cas, voilà, à partir du moment où il n'y avait pas d'autres possibilités, là est venu justement le moment où ça devenait plus envisageable. Comment pour ça un autre frère, il y a eu une sympathisation justement avec une maman médecin qui prescrivait de l'homéopathie. Et c'est là, voilà, que le bouche à oreille en fait a fonctionné. J'aimerais revenir parce que j'ignore si j'ai bien compris. La surdité de votre sœur, c'est une conséquence de l'homéopathie ? Pardon, non, je n'étais pas clair. Ma sœur a fait des problèmes d'otite et il y a eu un moment où elle était sourde en fait. Donc on a suivi au départ des protocoles. Je vais essayer d'avancer un peu dans le texte que j'ai. On a suivi des protocoles au départ allopathes, je cite le texte, et qui ne donnaient rien. Ça marchait pas. Les médecins, bon, je pense, voilà, je vais laisser tomber l'idée de tout lire et je vais essayer de résumer avec mon ressenti. Les médecins, donc, n'avaient pas d'explication ou n'avaient pas de proposition d'amélioration, ce qui a fait que, il n'y avait, entre guillemets, rien à perdre. Ça ne pouvait ne pas faire de mal. Et lorsque finalement il y a eu la rencontre aussi d'un médecin homéopathe qui a été mon médecin traitant pendant très longtemps aussi, est venu, s'est occupé de ma sœur, il y a eu un moment où il y a eu une amélioration. Et ça a été, on y discutait justement il n'y a pas une heure avec ma mère, c'était la preuve, c'était ça en fait. Voilà, là tu vois, j'ai quelque chose qui permet de dire ça marche, ça fonctionne et je n'ai pas besoin d'autre chose. Et c'est le centre névralgique, en fait. J'ai quelque chose qui fait que c'est bon pour moi. Ouais, donc en gros, parce qu'en fait, il y a plusieurs types de parcours dans l'homéopathie. Il y a des gens qui sont déçus de la médecine conventionnelle, et il y a des gens qui, d'emblée, sont déjà beaucoup plus sensibles à ces discours-là qu'aux autres. En général, ils sont même plus nombreux. Et donc, vraiment, c'est un peu entre les deux, finalement. Elle consommait déjà de l'homéopathie avant, mais elle a quand même commencé par faire de la médecine, on va dire, normale, et puis face au fait que ça marche pas, elle fait autre chose. Et ça, on peut pas l'en vouloir. C'est ça. C'est très compliqué pour moi, parce qu'effectivement, je me rends compte aussi que ma critique n'est pas simple à entendre. Objectivement, si les médecins n'arrivaient pas à soigner votre sœur, que votre maman aille ailleurs, il n'y a personne qui peut le reprocher, en fait. Et oui, je me suis rendu compte, juste dans la discussion précédente, effectivement, en fait, si je suis à ta place dans cette situation, c'est compliqué de dire non, en fait. Oui. Et je comprends effectivement quel biais a fait que ça a pu mener à ça. Et c'est là aussi que c'est compliqué de faire le pas de côté, de dire, il y a eu ce moment, effectivement, où tu avais ces enfants-là. Tu devais t'en charger parce qu'il y a des situations critiques, mais qu'en est-il maintenant que l'on peut prendre justement ce temps? Et encore à l'époque, nous sommes grands maintenant, c'était il y a un certain temps, maintenant que les connaissances ont progressé, genre, peut-on re-questionner ça? Je pense que c'est... Voilà, là je prends aussi de la distance par rapport aux propos de ma mère. Je pense que c'est compliqué aussi de remettre ça en question.
à mon avis. Je sais que personnellement, je vais vous parler d'un peu de ma vie, j'ai une grand-mère qui est à fond dans l'homéopathie. Et si vous aimez la chaîne, dites-lui merci, parce que ma position actuelle s'est construite en réaction à ma grand-mère que j'adore, mais qui croit à un tas de choses auxquelles je ne crois pas. Et je n'ai jamais vu cette femme changer la vie, ou admettre qu'elle avait tort. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de tous ceux qui croient, mais c'est compliqué quand vous avez soigné votre famille avec ces produits-là. D'entendre quelqu'un en particulier, si c'est votre fils, ce petit ingrat qui arrive là, je l'ai soigné et il me dit que j'ai mal fait. Donc je pense qu'il y a aussi cet aspect-là. C'est sans doute très compliqué et plus compliqué de débattre en famille qu'en dehors. D'ailleurs, c'était la réponse de Lawrence Krauss quand on a parlé ensemble. Il a une fille qu'il fait tourner en bourrique et en fait, c'est un mec qui est une autorité scientifique mondiale et sa fille l'écoute pas parce que c'est son père, quoi. C'est pas à la maison, c'est papa, c'est pas quelqu'un qui... Donc quand vous êtes le fils, c'est encore plus compliqué pour eux-mêmes de se remettre en question. Mais est-ce que vous estimez qu'il y a un danger pour elle ou pour les gens dans la famille d'avoir fait ces choix-là, ou c'est juste parce que vous n'êtes pas d'accord et que ça vous embête? C'est là que ça devient compliqué, en fait, parce que heureusement, j'ai envie de dire, nous sommes une fratrie de 5 frères et sœurs, nous sommes tous en bonne santé. Mmh. Là-dessus, l'histoire finit bien, en fait, pour nous. Mais le problème, comme on l'apprend assez tôt, notamment avec vous, et quand on s'intéresse à la médecine, il est très compliqué de déterminer avec une personne quels ont été les facteurs. Il est impossible pour nous de dire, grâce à l'homéopathie, nous sommes en bonne santé, ou inversement. Si l'un de nous avait une maladie malheureuse ou quoi, comment aurions-nous pu dire c'est parce que ma mère nous a donné de l'homéopathie que nous sommes comme ça? On ne peut pas. En fait, on a des outils, c'est bien d'épidémie, donc on a les réponses. Mais à l'échelle individuelle, dans une famille, quand, par exemple, quand des gens font un vaccin et qu'un enfant développe une maladie après, le lien logique entre les deux paraît tellement évident, parce que c'est très saillant, que même si on a toutes les données qui montrent que le lien n'existe pas, pour la personne qui voit ce lien, puisqu'elle le voit, il existe. Et si votre maman, elle a souvenir d'avoir eu un enfant malade, elle lui donne des cachets médicaux et qu'après il va mieux, pour elle, ça existe puisqu'elle l'a vu. Et donc c'est compliqué. C'est... Oui. Effectivement. Donc Mais bon, dans votre cas, à la limite, tout va bien. Quand les gens sont en bonne santé, l'homéopathie fait pas de mal. On pourrait dire ça. C'est le problème, mais voilà, la vie n'est pas finie, nous aurons peut-être d'autres problèmes un jour, et c'est, voilà, je n'ai pas envie d'avoir un jour un problème à regretter, et là où je rejoins peut-être l'intervention de Dounia, je vois aussi que l'homéopathie a été, je pense, une porte d'entrée, car on a vu un certain nombre de choses. J'ai par exemple la liste des soins qui ont fait que ma sœur s'est mise à réentendre, il y a eu l'ostéopathie, en particulier crânienne, bien évidemment, un certain nombre de soins énergétiques, l'homéopathie, bien évidemment, l'acupuncture, le tout réalisé par un seul médecin, ce médecin de famille qui cumulait donc homéopathe, médecine chinoise, acupuncture. Quel talent, cet homme. Oui, il est effectivement de multiples talents. Et c'est... Voilà, je suis juste très soulagé que nous soyons tous en bonne santé. Donc, maintenant, votre rôle de fratrie, c'est de surveiller que votre maman, si un jour, par malheur, la santé s'est dégradée, qu'elle fasse des bons choix, en fait. Bah, je serais pas... Ma mère est responsable d'elle, et j'entends bien, mais... Pas de ça. Ah bon, d'accord. Oui. Et très bien. Du coup, je vais redonner la parole à Louis. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous, Meio, et bon courage pour la suite. Je vais récupérer Louis que je mets dans le canal. Et, si j'y arrive, ça marche pas. Et normalement, ça ne marche pas. Ah si, hop, Louis, est-ce que ça fonctionne chez vous? Est-ce que ça marche? Allô, Louis. Normalement, tout fonctionne. Hein. Non? Il est reparti orateur en attente, donc il ne veut pas du tout être dans l'intervention. Il est revenu dans l'intervention, très bien. Je suis ça en direct, comme vous, je subis autant que vous. Hein. Louis,
Est-ce qu'on essaye une dernière fois pour que ça fonctionne? Oui, j'ai du son. Attention. Eh ben non. Alors, tant pis. Donc, dans les gens qui ont posé des commentaires dans le canal, la question... le dogmatisme, on a Fallen One qui parle du dogmatisme. Est-ce que vous voulez prendre la parole, Fallen One? Je vais voir si je vous trouve. Allô? Allô, oui, Louis. Oui, bonsoir. Alors, apparemment, ça fonctionne cette fois-ci. De quoi parlions-nous? Comment? De quoi voulez-vous nous parler? Allô? Oui. Alors, ben, du coup, du sujet de ce soir, qui est ben, du coup, ben, l'homéopathie, moi, je n'ai jamais trop connu. Je ne savais pas vraiment ce que c'était. Je savais que ça existait, que c'était une médecine dite douce, dite alternative, mais je ne savais pas du tout ce que c'était parce que moi, ben, j'ai. Comment dire? Quand je vais chez le docteur, c'est une fois par an pour avoir un certificat médical pour le sport, et puis c'est tout. Et bon, les rares fois où j'ai eu besoin d'antibiotiques ou de machin pour une angine ou une grippe, j'étais soigné à la médecine dite conventionnelle. Mmh. Et donc, que voilà, l'homéopathie... Ça coupe beaucoup, Louis, ça coupe beaucoup. Je savais que ça existait, mais je ne m'étais jamais trop intéressé à la question. Allô? Oui. Allô? Ça marche, mais ça coupe. Allô? Allô? Oui. Allô, vous m'entendez? Oui. Oui, allô? Oui, on vous entend, mais ça coupe. Oui, allô? Oui, bah, apparemment, nous, vous ne m'entendez pas. Ça coupe encore. Je ne sais pas si on pourra continuer dans ces conditions, Louis. Ça me paraît compliqué. Allô, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez là? Oui. Toujours, oui. Ok, d'accord. Donc oui, moi, donc les rares fois où j'ai eu besoin donc, de médication, j'étais soigné à la médecine dite conventionnelle. Et puis, donc, est arrivée ensuite la pandémie qui, par rapport à l'actualité, m'a permis de m'intéresser donc, à tout ce qui était méthode scientifique, publication, etc. Et comme ça fait un petit peu partie du truc, je me suis du coup intéressé à tout ce qui était appelé médecine dite alternative. Mmh. Et donc c'est là que je me suis penché sérieusement sur l'homéopathie et moi à la base, donc, comme je vous disais dans mon commentaire sur les questions, moi avant, comme je voyais de la pub à la télé et que je voyais ça vendu en pharmacie, je me disais bon bah foi, c'est que ouais. c'est quelque chose de légal qui ils peuvent qui quand même pas faire la pub pour un truc qui marche pas, quoi, ce serait trop gros. Exactement. Bon. Exactement, voilà. Donc je me disais, voilà, si on fait de la pub, si en plus les pharmacies en vendent, parce que quand même, quand mon doc me fait une ordonnance, je vais à la pharmacie acheter mes trucs, donc si ça se vend et si on fait de la pub, c'est que quand même il y a quelque chose. Et moi, à la base, donc, je croyais que c'était quelque chose, que c'était un petit peu de la bobologie, que c'était quelque chose qui pouvait marcher pour des maladies au début où ça se manifestait, mais qu'après, une fois que ça s'aggravait, qu'il fallait passer à des choses un peu plus costauds. Et en fait, voilà, je croyais que c'était juste de la bobologie, mais que ça avait quand même un certain effet. Et puis, quand est arrivée la pandémie et que donc, je me suis renseigné sur tout ça, et ben voilà, j'ai découvert d'abord ça par les tronches de fake. D'accord, donc c'est chez nous, quoi. C'est à cause de nous que... Donc je me suis... Ouais. Ben, ça a commencé, en fait, parce que donc, oui, j'ai vu marquer tronches de fake homéopathie. J'ai dit, tiens, ben, on va voir de quoi ça parle. Mm-hmm. Et au début, donc, je restais un peu prudent, parce que bon, la vidéo était bien montée, le travail avait l'air bien fait, il y avait des sources, il y avait des machins, donc je me suis dit, bon, ça a l'air de tenir la route, mais je me suis dit, je vais quand même... oui, pourquoi pas, mais je vais me renseigner oui. ailleurs, et quand je suis allé sur des sites partisans de l'homéopathie, je me suis dit, putain, ouais, ça, en fait, c'est vraiment ça, quoi, c'est pas une parodie, c'est vraiment ça sur quoi repose l'homéopathie, donc bon, ça... de base, j'avais rien de particulièrement contre. Même je trouvais que, je croyais de par le contexte général, que ce soit médiatique ou en pharmacie, je croyais que ça avait un certain intérêt. Bon, bien que je ne m'y intéressais pas vraiment, mais j'avais rien de spécial contre. Et aujourd'hui, sachant sur quoi ça repose, notamment le fameux foie de canard dont on a rincé le machin 200 fois. L'ocylocoxinum, qui est la 200e eau de vaisselle d'une préparation Exactement. De foie et de cœur de canard de Barbarie. Et pourquoi jours. Pas et pourquoi pas, ça pourrait marcher maintenant quand on regarde. Ouais. Mais le fait est que, voilà, en fait, vous étiez à peu près comme tout le monde, c'est dans le paysage, c'est partout, il y a des médecins homéopathes. Il n'y a pas de raison de se dire que ce truc-là, qui est en vente partout, on a la pub à la télé,
que ce serait du vent, que ce serait de la pure escroquerie. Il n'y a aucune raison de le penser. Exactement. Et c'est pareil pour l'ostéopathie. J'ai été chez un ostéopathe qui m'a... Parce que je me disais, bon, un ostéopathe, il y a tout le monde qui en parle, donc pourquoi pas. Ça, c'était avant que je me penche sur tout ce qui était zététique, sur la nomination des... Comment dire, de tout ce qui est appel à la popularité, de tout ce qui est de tous les différents biais. Enfin, je savais que ça existait, mais je n'avais pas de mots à mettre sur tous ces concepts-là. Mmh. Et comme j'entendais parler donc d'ostéopathie, bon, je me suis dit, ben ça c'est quelque chose de concret. Le mec il me manipule, donc c'est qu'il doit quand même avoir une action quelconque. Et puis surtout, si on les laisse pratiquer, c'est que quand même ça repose sur quelque chose. Mais les ostéopathes qui sont kinés en même temps. Enfin, si vous allez, chers auditeurs, voir un ostéopathe, s'il n'est pas kiné, moi, j'irai plus personnellement. S'il est kiné à côté, alors il connaît les techniques de kiné au minimum, et donc il sait comment ne pas vous faire mal, normalement. Ben, moi, en fait, c'était juste un ostéopathe qui m'a donc manipulé, il m'a un peu fait craquer le dos, machin, et puis d'un coup, il me met ses mains sur le front, puis il voit qu'au bout de 30 secondes, je suis un peu interrogatif, et puis il me dit non, mais vous inquiétez pas, je vous soigne avec les énergies. Et là, je me suis dit, Tom, Coco, tu me verras plus. Toi, c'est fini. Voilà. Ou pareil, je suis allé voir parce que ma copine me disait, moi j'ai ma réflexologue plantaire, c'est génial, machin. Oui. J'ai dit, moi, je sais pas ce que c'est. Bon, j'ai dit, allez, si tu me dis que ça te fait du bien, j'ai dit, bah pourquoi pas, allons voir ce que c'est. J'y suis allé, et bon, au-delà de ses conseils à deux balles, parce qu'elle se prenait pour une psy, cette sombre conne m'a dit, en réflexologie, nous, on soigne le cancer. Alors moi, j'ai mon père qui est décédé en 2012 d'une tumeur au cerveau. Ça a duré 15 mois et les 3-4 derniers mois étaient vraiment pas beaux à voir. Et quand cette connasse m'a dit ça, ça m'a, comment dire, elle a vu que j'ai eu le regard un peu qui s'est assombri. J'ai dit, ah bon, vous soignez le cancer? Elle me dit, non, en fait, c'est pas exactement ça. En fait, nous... Les gens qui ont une maladie avec un traitement très lourd, et ben on les aide à supporter leur traitement. C'est quand même pas la même chose là. Et donc voilà, les gens qui vont avec la fleur au fusil voir ce genre de praticien entre guillemets, gros praticien entre très gros guillemets, et qui ressortent avec des conseils moisis comme ça, j'ai un peu glissé sur autre chose, mais bon, pour en venir à l'homéopathie, je ne comprends pas qu'on laisse ce genre de choses faire. C'est comme les pouvoirs publics, est-ce qu'ils font bien leur boulot de laisser les laboratoires vendre ce genre de produits qui en fait ne servent à rien. C'est un peu comme le tabac. On sait que c'est mauvais pour la santé, on n'empêche pas les gens d'en acheter. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas que les gens soient davantage informés? Moi, j'ai ma nana qui m'en parle régulièrement de l'homéopathie. Je ne la branche pas trop sur le sujet, mais je ne suis pas sûr qu'elle sache vraiment de quoi ça parle. Parce que moi, on m'a toujours dit, l'homéopathie, c'est bien, c'est naturel, c'est à base de plantes et il n'y a pas d'effet secondaire. Ouais, mais c'est à base de plantes et le corps et le foie de canard, c'est quoi comme plante? C'est pas à base de plantes. Voilà. Mais ça pose plein de questions. Est-ce que les gens sont vraiment informés? Voilà. Ça pose des questions et quand on est sceptique, on ne prétend pas avoir forcément les réponses. Et à titre personnel, je ne suis pas opposé à ce que les gens consomment de l'homéopathie. En revanche, je suis attristé qu'ils ne sachent pas ce que c'est que le médic qu'ils consomment. Mais comme je le disais en intro, les gens qui consomment de la médecine normale ne font pas le travail non plus d'aller vérifier. Qu'est-ce qu'il y a de paracétamol? Qu'est-ce qu'il y a dans l'évothyrox? Comment ça marche? Les gens qui en prennent, la plupart en prennent parce qu'on leur dit que c'est ça qu'il faut prendre. Et donc il y a cette confiance qu'on a envers le praticien qui est une très bonne chose. La confiance envers le praticien... C'est très précieux. Et donc, c'est pour ça que je suis toujours un peu embêté quand ils me disent qu'on peut, en connaissance de cause, proposer un placebo sans le dire aux gens, parce qu'en fait, on viole leur confiance. Et puis ça ouvre la porte à de possibles dérives. Ça peut ouvrir la porte à de possibles dérives. C'est ça. Mais ouais. Ben, merci. Et oui, il faudrait qu'effectivement les gens soient mieux informés, quoi, parce qu'après, ça peut être compliqué. Voilà. Merci d'avoir témoigné, Louis. Merci à vous et puis continuez ce que vous faites et c'est génial, super, bravo les gars. Merci à vous. J'en profite pour vous dire que ce soir l'émission est réalisée par Lise et par Corentin qui sont à côté de moi ici à la régie. Bon, ils ont raté le son du générique, mais à part ça va, tout va bien. Il y a des retours critiques, je me sens heureux, ils sont très heureux. Bien, avant de donc n'hésitez pas à mettre dans la question les manques sur lesquels vous voulez intervenir, et vous dire deux mots sur Pulsatilla. En fait, c'est tiré de mon livre, je vais vous dire un petit passage, pour vous parler du fait que l'homéopathie, parfois, souvent, ressemble à l'astrologie. Notamment parce qu'il y a des tempéraments, il y a des médicaments, comme ça, enfin des préparations,
dont on dit cette préparation, elle correspond à tel type de personne. Et donc, on a, donc je tire ça des sites officiels et des bouquins qui ressemblent à ça. Donc, des bouquins, c'est pas des trucs marginaux, c'est des trucs qui sont très partagés. Pulsatilla, je vous dirai après ce que c'est, est conseillé aux personnes douces, timides et émotives. Ce remède homéopathique convient particulièrement aux femmes et aux jeunes filles, et de manière générale, aux enfants. Dans le journal Top Santé, ce remède est clairement adressé à la gente féminine, je précise ce qu'ils disent. Son aspect physique, donc à la personne qui correspond à ce médicament, blonde aux yeux bleus, le teint clair, avec une tendance à la prise de poids et à la cellulite. Sa personnalité, timide et affectueuse, elle manque d'autorité. Elle recherche la consolation auprès des autres et pleure facilement sur son sort. Ses goûts, elle a un faible pour les aliments riches et sucrés, les boissons et les plats froids. En revanche, elle ne supporte pas les graisses, les fruits, les œufs et les aliments chauds. Elle n'a pas souvent soif. Ses points faibles, les troubles veineux, digestifs, gynécologiques et ORL. Ses qualités, la douceur et la gentillesse. Voilà, donc là on a un pur effet Barnum, c'est-à-dire que il y a plein de gens qui peuvent se reconnaître là-dedans. Bah, donc vous, votre médicament, c'est Pulsatilla. Si vous avez n'importe quoi, ça marche ça. Dans le livre Homéopathie pédiatrique, parce que hélas, c'est très répandu en pédiatrie, de Jacques Lamotte, toute sa vie, Pulsatilla va rester accrochée à sa mère. Le moindre événement va lui faire craindre qu'elle puisse l'abandonner. Pulsatilla sera prête à tout pour conserver l'amour de sa mère, adoptera tous les modèles de comportement nécessaires pour atteindre ce but, d'où une difficulté de structuration de sa personnalité, donc là on est dans la psychologie de comptoir, qui sera basée sur une dépression profonde de type anaclétique. La manifestation la plus évidente de cette tristesse réside dans la facilité incroyable qu'elle a à pleurer. Pulsatilla, c'est un médicament, une préparation qu'on fait à partir d'Anémone pulsatile, et tout ce que je viens de vous dire, toutes les indications thérapeutiques, etc., reposent exclusivement, non pas sur un composé qui aurait dans la plante et qui serait propice à soigner telle ou telle chose, mais uniquement au nom de la plante, parce que l'anémone pulsatile veut dire « battu par le vent ». Et donc, c'est conseillé pour des gens qui ont un état très changeant, très volatile, très féminin dans les stéréotypes. Notamment, c'est une plante qui s'accroche à son substrat, puisqu'elle est battue par le vent. D'où le fait que Pulsatilla va rester accrochée aux jupes de sa mère. C'est étonnant à quel point tout ça repose uniquement sur le nom de la plante et sur la symbolique qu'il y a autour, et absolument pas dans la composition de la plante. C'est donc réellement de la pensée magique et de la sorcellerie, et pas du tout de la science. Et je verrai, c'est en un peu de temps, pour développer un peu comment on teste ça. Je le précise dans mon bouquin, les pathogénésies, c'est-à-dire comment est-ce qu'on sait que tel médicament soigne telle chose. Quand on fait de la vraie pharmacologie, de la vraie médecine, et ben on teste les molécules sur l'organisme, d'abord animal, après des cellules, après sur l'humain, qui est malade, pour voir est-ce que le malade va mieux. C'est pas du tout ça la méthode homéopathique, et on pourra en dire deux mots tout à l'heure si vous voulez. Je me retourne vers le chat pour voir qui veut prendre la parole. Je pense que je donne la parole à Monsieur Lours, qui voulait parler d'un paradoxe. Alors j'ai pas bien compris ce qu'il veut dire, mais il veut parler du paradoxe qu'il voit dans l'homéopathie. Monsieur Lours, vous avez la parole. Est-ce que ça fonctionne ? Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Donc, merci de donner la parole. Oui, je voulais parler justement de ce que j'appelle un paradoxe au sujet de l'homéopathie qui est valable pour tout ce qui est médication alternative. Je pense notamment à tout ce qui est coupeur de feu, toutes ces choses-là. On est clairement sur un... Enfin, je vais exposer ma croyance, mais on est clairement pour moi sur un effet uniquement placebo. Mais qui dit effet placebo, dit effet. Et ce que je trouve paradoxal, c'est que un médecin qui va prescrire de l'homéopathie en disant « Bon, je vous prescris ça parce que vous voulez un médicament, mais c'est uniquement des petites boules de sucre, et donc ça agira juste sur votre psyché », je pense que ce discours descend grandement l'efficacité, étant donné qu'on est censé... Parce qu'en fait, quand quelqu'un prend un placebo en sachant que c'est un placebo, il y a quand même un effet contextuel qui est que la personne prend un traitement et se soigne
même si elle sait que dans la pilule, il n'y a rien, et l'effet est plus grand que si on ne fait rien. Certes, après, il y a l'effet inverse. Si le médecin est complètement sûr, enfin, en tout cas, si lui, il est dans la croyance, il est sûr que ça fonctionne, et même principe pour les coupeurs de feu et tout, l'effet n'en sera que plus efficace. D'accord. On est quand même sur de la bobologie, bien évidemment, hein. Mais il est vrai que le corps est capable de se défendre contre les infections. Si on lui donne un petit peu de morale, je pense qu'il est capable de se défendre un peu plus efficacement. Après, ça peut engranger des problèmes. Des gens qui veulent soigner leur cancer avec de l'homéopathie, effectivement, c'est oui. pas vraiment la bonne idée. Le paradoxe, c'est quoi ? Bah, le paradoxe, c'est que quelque part, il n'y a pas d'effet chimique. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de molécules. Il n'y a pas de composé actif. Ouais. Mais étant donné qu'il y a un effet qui permet aux patients de pouvoir stimuler sa propre guérison sur des cas assez limités. Hein. On est sur, je crois, c'est 30-35% de personnes. 30-35% de personnes. Et ça peut monter jusqu'à 60-70 pour tout ce qui est dépression, céphalée et ce genre de choses. Mais on ne peut pas l'énoncer comme ça. Ce n'est pas qu'ils ont un effet sur la propre guérison. Ce n'est pas que la personne qui prend a un effet. C'est que la personne se place dans un contexte où elle vit différemment ses symptômes, d'abord. Ce n'est pas la même chose. Tout à fait. Mais encore faut-il, entre guillemets, donner les moyens à la personne de pouvoir se placer dans ce contexte, psychologiquement, je veux dire. Donc, je suis un peu mitigé. Ce qui m'a fait penser à ça, c'est l'intervention de, je crois que c'était Big Pharma tout à l'heure, qui parlait de la personne qui voulait absolument une médication, oui. et qu'il a fini par dire, bon, ben, je vous donne de l'homéopathie. C'est le problème, c'est que les... sur ces questions-là, on ne supporte pas, et c'est normal, de ne pas avoir de réponse. Quand la médecine, basée sur les preuves, nous dit « j'ai pas de solution », on ne peut pas demander aux gens de se dire « bah ok, bon, on soigne les pouces, on attend que la médecine trouve une solution ». Donc évidemment, les gens exigent, et on ne peut pas leur reprocher d'exiger une réponse. Le problème, c'est qu'il faudrait être capable de ne pas laisser croire qu'en dehors de la médecine, c'est la médecine. Et les médecines parallèles et les médecines alternatives, c'est du soin, j'entends bien, mais c'est pas de la médecine, me semble-t-il. Et cet abus de langage fait que, comme c'est flou, il y a des gens qui vont avoir une confiance trop importante. Et le paradoxe est là, c'est-à-dire que en soi, c'est pas dangereux. Le composé n'est pas dangereux. Depuis tout à l'heure, moi, j'ai vidé la tablette. Hein, c'est du sédatif PC, hein, c'est du somnifère. C'est pas dangereux. En revanche, croire que ça fonctionne peut modifier les comportements, et là, ça peut être dangereux. Et c'est pour ça que, moi, en tout cas, c'est pour ça que j'ai ces paroles critiques. J'en veux pas aux homéopathes, en tant que tel. Je suis inquiet des conséquences, des croyances qu'ils alimentent chez les gens. C'est sûr, mais je pense que si on n'y croit pas, forcément, ça marche pas, ou en tout cas... Enfin, ça marche pas. Ça marche pas, de toute façon. Enfin, voilà. Mais... Ça a quand même un effet. Je parlais avec un médecin qui me disait, quand on parlait de ce sujet, qui disait, moi, tout est bon à partir du moment où ça fait du bien au patient. Donc, si se bercer dans une croyance fait du bien à la personne, est-ce que jouer la carte, entre guillemets, du mensonge, enfin, plus de l'hypocrisie en disant, allez-y, pour ce genre de pathologie, bien préciser pour ce genre de pathologie, quand on parle d'un rhume, de céphalée et tout, ça fonctionne. Mais en revanche, même limite mentir sur l'inverse en disant que pour un cancer, ça peut l'aggraver, par exemple. C'est pas mentir, parce qu'en fait, les gens qui consomment des médecines parallèles, lorsqu'ils ont un cancer, meurent davantage. Parce qu'ils ont moins confiance dans la médecine qui soigne, sont moins observants dans le traitement, et donc ils meurent davantage. Donc c'est même pas mentir de leur dire ça. Oui, ce que je veux dire, c'est que quand je dis que ça empire, étant donné que c'est une boule de sucre, ça n'empirera pas le cancer. C'est juste que la personne va privilégier cette médication plutôt qu'une autre. C'est ça. Le fait de mentir en disant que si vous prenez ça pour un cancer, ça va l'aggraver. Donc,
arranger un peu le truc. Peut-être que ça motiverait, que ça démotiverait en tout cas certaines personnes à ne pas vouloir utiliser ce genre de médication pour des pathologies. Je ne sais pas s'il faut mentir aux gens, c'est pas. Mais en tout cas, merci d'avoir donné votre point de vue. Je vous dis merci, je vous retire la parole et je vous demande de m'accorder 3 minutes. Il faut absolument que je fasse une pause technique, mais on revient très très vite. À tout de suite. Ils ne se sont même pas rendus compte que j'étais parti. Hein. Les gens n'ont rien vu. Hein. C'est bien. On coupera ça au montage. Bonsoir, mesdames et messieurs. La tranche est à vous, numéro 2. Nous parlons d'homéopathie. Alors, je profite de cette petite pause technique pour vous dire qu'en termes de transition, il y aura d'autres numéros de ce format. La tranche est à vous. Les sujets que nous allons aborder dans les prochaines émissions ne sont pas encore totalement arrêtés, mais il y aura une question sur l'ufologie. Parce que les quelques fois où on l'a abordé, il y a eu pas mal de commentaires, notamment des commentaires hargneux. Et comme nous avons dans l'équipe, dans l'assaut, deux personnes très 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 versées sur le sujet, on fera un live où ils pourront répondre aux tenants croyants. Ils ont accepté de faire ça. On fera une autre émission sur la théorie de l'évolution et donc sur le créationnisme. Voilà. Et peut-être qu'on fera un truc sur Dieu parce que c'est un sujet qui est arrivé très vite sur la table quand on a voulu parler de la vie après la mort. Donc faisons un sujet sur Dieu. Pour tout, c'est extrêmement adapté pour une chaîne sceptique. Voilà, ce sera dans les prochaines semaines, enfin prochains mois, hein, on en fera peut-être un par mois au maximum. Alors, les gens qui veulent intervenir, je suis quand même peiné de constater qu'il n'y a que des sceptiques. Merci d'être là, je vous adore, hein, mais c'est dommage. Il ne faut vraiment pas que vous ayez peur. Le but, ce n'est pas de s'acharner, de rabaisser les tenants, c'est au contraire de les écouter, parce que comme on est entre nous et qu'on parle entre sceptiques, on a tendance à avoir un peu la dent dure et à regarder les gens de haut. Alors que si un tenant croyant était là pour nous parler de comment il pense, on pourrait ne plus avoir des caricatures en tête. Et j'aimerais qu'on ait l'occasion, avant de finir l'émission, d'avoir un ou une tenant croyante de l'homéopathie pour en parler avec cette personne-là. Je ne sais pas trop à qui donner la parole. Je vous avoue, par rapport à tout ce que je dis, parce que vous êtes tous sceptiques. Il y a Aparo qui me dit qu'il est ancien croyant parce que soigné dans son enfance à l'homéopathie, notamment pour des choses assez graves, il avait constaté que ça fonctionnait, mais il est totalement contre. Mais dans la famille, il y a des problèmes, donc je pense qu'on va demander à monsieur A ou à madame Aparo. Donc, est-ce que vous pouvez parler sur le chat? Allô, allô? Aparo. Est-ce qu'on entend? Tout à fait. Bienvenue. Si je dois contextualiser un petit peu, donc moi je viens d'une famille où on se soignait à l'homéopathie, mais c'était pas une croyance dure en fait, c'était juste on se soignait comme ça parce qu'on se soignait comme ça quoi. Il y avait des médecins homéopathes.
Donc, on se soignait comme ça. Par rapport au contexte, j'ai eu un grave accident. Et j'ai une maladie en fait qui fait que je ne peux pas avoir, je peux pas être traité avec certains médicaments classiques. Et donc, bah, naturellement, on m'a traité avec de l'homéopathie durant cette période. Et bon, moi, j'ai constaté à ce moment-là que ça marchait vraiment très très bien. Ça, c'était le ressenti à ce moment-là. Voilà, c'était le ressenti à ce moment-là. Bah, de toute mon enfance, bon, j'étais plus ou moins soigné comme ça, avec aussi des vrais médicaments. Donc j'ai pas eu de gros soucis par rapport à ça. Par contre, j'ai eu effectivement une grosse preuve lors de cet accident, parce que donc j'ai eu la colonne vertébrale cassée. Je ne pouvais pas prendre d'anti-inflammatoires et les médecins n'ont pas cherché d'alternative avec des anti-inflammatoires qui étaient compatibles avec ma maladie. Et du coup, je souffrais énormément et ma mère a appelé mon homéopathe à la rescousse. Et en 2 jours, avec des petites billes de sucre, j'ai pu me redresser et me tenir assis alors que ça faisait 15 jours que j'étais en train de souffrir le martyre. Donc j'ai eu la preuve réelle, tangible, que ça fonctionnait. Le post-hoc ergopropter hoc, quoi. Puisque vous avez pris un cachet et qu'après ça va mieux, logiquement, on suppose a priori que c'est à cause du médicament. Tout à fait, et puis vraiment c'était violent comme effet, c'est-à-dire ça faisait 15 jours que j'étais alité sous morphine en permanence et sans pouvoir bouger en fait. Donc il y a eu ça, donc j'avais jamais pensé à remettre spécialement l'homéopathie en question, mais comme c'était pas une croyance non plus hardcore je dirais dans la famille, quand j'ai eu un petit peu de culture plus personnelle, assez rapidement j'ai pu remettre ça en question. Et puis bien évidemment, quand j'ai découvert les sceptiques et la tronche en biais notamment, bah, mon avis était très tranché là-dessus, c'était que ça ne fonctionnait pas en fait. D'accord. Comment vous situez maintenant par rapport à votre moi de l'époque? Est-ce que vous auriez accepté cette parole sceptique? Je pense que oui, parce qu'encore une fois, dans la famille, c'était pas très hardcore comme oui, croyance. Oui, mais vous prenez le médicament, vous vous sentez mieux. Donc, au moment où vous le prenez, vous y croyez. C'est ça le problème. Mais après, je pense que je suis entre guillemets naturellement sceptique, même si c'est le scepticisme, c'est une méthode. C'est pas, je pense pas qu'on est naturellement sceptique ou naturellement croyant. Non, pas. Je pense que j'aurais pu me remettre en question assez facilement. Mais aujourd'hui, par contre, si je peux prendre la parole un petit peu pour ma mère, parce que c'est principalement le sujet qui m'anime aujourd'hui. Pour ma mère, c'est un peu plus compliqué, parce que, comme ça a été dit un petit peu plus tôt, elle nous a soignés comme ça, donc il y a de l'engagement de sa part. Elle a constaté que ça fonctionnait, et également lors de cet épisode. Et aujourd'hui, elle a une maladie qui est assez grave et pour laquelle il n'y a pas réellement de traitement. Donc, elle prend de l'homéopathie forcément parce qu'elle elle pense que ça fonctionne et que ça l'aide. Et toute la problématique pour moi, c'est dans quelle mesure je vais faire plus de mal ou de bien si j'essaye de la convaincre que ça ne fonctionne pas. Parce que pour elle, c'est un vrai réconfort et c'est une vraie aide actuellement, l'homéopathie. Et là c'est toute la question de votre rôle de fils. Enfin, il y a plusieurs personnes dans le chat hein, qui parlent de leur maman. Alors, sans surprise, hein, l'homéopathie est d'abord une médecine féminine. Il y a plus de femmes que d'hommes qui en consomment. Parce que d'abord, c'est les mamans qui sont rassurées de donner un médicament à leurs enfants. Et ces médicaments-là, comme il n'y a pas de danger, c'est ceux qu'on propose aux mamans qui sont un peu inquiètes. Et là, c'est votre rôle de fille. C'est-à-dire que si vous savez, vous, qu'elle n'a pas un traitement qui marcherait mieux qu'elle abandonne, et que ce traitement-là lui fait du bien, est-ce que vous allez être un sceptique chiant avec votre maman au point de la faire souffrir, quoi? C'est un peu ça, pour la vérité, c'est un peu ça la question. C'est un petit peu ça la question. Après, j'aime beaucoup trop ma maman pour être chiant avec elle. Donc la question. Mais il y a aussi du danger, enfin je sais très bien qu'il y a aussi du danger dans ses croyances, parce que si à un moment donné, il y a un traitement réel pour sa maladie, il y a le danger qu'elle le prenne plus tard ou qu'elle le prenne avec une certaine méfiance ou qu'elle le prenne moins parce qu'elle pense que l'homéopathie fonctionne. Tout à fait. Donc c'était démontré. Hein. Il y a une étude en Allemagne en tout cas qui montre que les patients qui prennent de l'homéopathie
lorsqu'on regarde de manière générale, les cachets coûtent pas cher, mais les patients coûtent plus cher. Parce que les patients qui commencent avec l'homéopathie vont rester davantage à l'homéopathie et vont refuser des traitements plus coûteux, mais plus efficaces. Et donc, il y a un retard de prise en charge. Et donc, il y a des parcours de soins qui sont retardés. Et c'est le risque principal, en fait, qu'on a lorsqu'on on fait confiance. Et c'est des risques statistiques. C'est-à-dire que c'est une vérité que je vous livre, qui est statistique, qui ne dit absolument rien sur le parcours de votre maman à vous. Et donc, c'est à chacun de juger par rapport à ces infos-là ce qu'on peut faire. Et dans votre situation, tant qu'il n'y a pas de médicament qui marche, alors la question ne se pose même pas, en fait, peut-être. Il y a des médicaments qui fonctionnent, mais qui la rendent plus malade qu'autre chose et que du coup, elle arrête. Mais c'est quand même une question difficile à trancher parce que tous les médicaments qui fonctionnent ont plus ou moins d'effets secondaires. Donc, c'est peut-être des traitements qu'elle abandonne un petit peu vite face aux effets secondaires en se disant qu'il y a l'homéopathie qui elle, fonctionne sans effets secondaires. Enfin, après, je ne veux pas trop rentrer dans les détails forcément personnels. Non, bien sûr. C'était juste pour donner ce témoignage en fait de déconverti, de déconversion à titre personnel et de personnes sceptiques mais qui essayent quand même d'expliquer avec bienveillance à ses proches en disant que c'est pas hyper facile. Il faut être bienveillant et il faut supporter que lorsqu'on est sceptique, on est mal accueilli même quand on est bienveillant parce que c'est compliqué. Mais ce que vous posez en fait, c'est la question de la balance bénéfice-risque. C'est un petit peu ça, c'est par rapport à ma mère, quelle est la balance bénéfice-risque et est-ce qu'il ne faut pas tout simplement laisser tomber dans ce genre de cas et laisser les gens croire ce qu'ils ont envie de croire, quoi. Au cas par cas, il y a des situations où oui, il faut laisser les gens, et puis il y a des fois où peut-être que si on ne dit rien, on leur fait du... si on les laisse faire, ils s'engagent dans une voie où après c'est trop tard, c'est toute la question. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris la parole. Je vous rends votre liberté. Et merci beaucoup. Et je me tourne vers... c'était Luc qui dit qu'il y croit plus ou moins. Et du coup, évoquer le fait que c'est pas tout ou rien, c'est pas noir ou blanc. On peut en effet être plus ou moins adhéré à cette pratique-là. Est-ce que vous voulez développer cette chose-là, Luc ? Vous m'entendez ? Oui. Ah ben, c'est parfait. Bonsoir. Donc, en fait, à la base, moi, je continue. En fait, je suis pas... Je me considère pas comme des convertis. Mm-hmm. Parce que... Mais je dirais plutôt parce que, comme vous venez de le dire, c'est pas blanc ou noir. Et si je me disais des convertis, quelque part, c'est trop extrémiste pour moi. Dans la mesure où je préfère garder une croyance raisonnée. Où j'irai jamais du tout vouloir me soigner par l'homéopathie pour quelque chose de grave, mais si j'ai un petit bobo, par exemple de l'aérophagie, quelque chose qui n'est pas du tout grave, mais où l'effet placebo peut. Oui. On vous a perdu ? Luc. Nous avons perdu Luc, qui nous dit que c'est pas tout noir, tout blanc, et je suis bien d'accord avec lui, et c'est toute la difficulté qu'on a lorsqu'on est sceptique, d'être parfois un petit peu jusqu'au boutiste, c'est dire, puisque ça, il n'y a pas de preuve, alors il ne faut pas y croire, et l'humain est plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'il y a des situations dans lesquelles on s'autorise à croire des choses. Et en fait, on est tous comme ça. Donc il y a peut-être qu'entre nous ici, on est sceptique de l'homéopathie, et donc on est un petit peu intransigeant, mais si on s'ausculte un petit peu, il y a plein d'aspects de la vie, sur la santé, sur la nourriture, sur l'écologie, sur tout ce que vous voulez, où en fait, on sait bien qu'il faudrait dire ça, croire ça, penser ça, et on ne le fait pas, ça s'appelle l'acrasie. J'ai fait une conférence là-dessus sur le principe d'acrasie, qui est le fait qu'on agisse en dépit de notre meilleur jugement. Alors, est-ce que c'est ça ? Est-ce que votre cas, Luc, est-ce que ça rejoint l'acrasie ? Est-ce que malgré vous, vous savez qu'il ne faudrait pas grave, mais vous faites quand même, et vous dites, c'est pas grave ? Oui, ça ressemble à ça. Et j'aime l'impression de quelque part d'en tirer un petit bénéfice parce que je vais pas me dire si j'ai vraiment juste un petit bobo et je remarque avec l'effet placebo, par exemple quand je prends Carbo Végétabilis pour l'aérophagie, j'ai des ballonnements, je prends ça, les ballonnements s'en vont d'une certaine manière. Donc j'en tire un bénéfice et après je pense que si on se pose la question comment faire, je pense que dans le cas
si on dit à tout le monde, il faut absolument pas que vous y croyez, que vous vous en preniez pas du tout, et si on dit à tout le monde, même pour l'aérophagie, ça partira pas parce que ça marche pas du tout, je pense que ça va avoir un effet contre-productif et ça va encore plus renforcer les gens à aller vers l'homéopathie. Alors que si on leur dit simplement que c'est, si on nuance, et ben peut-être qu'on arrivera à séparer ceux qui peuvent garder leurs croyances parce que c'est pas grave et dans ce cas-là ils la gardent et ceux qui ne doivent pas garder leurs croyances si c'est un cancer par exemple et dans ce cas-là ils la perdent. Mais comme ça pourquoi qu'il y ait d'amalgame? D'accord. Je sais pas, là j'ai pas d'avis. Il faudrait voir ce que ça donne pour de vrai tester cette hypothèse-là. C'est une hypothèse qui en veut l'autre. Se montrer plus tolérant permettrait que les gens qui se mettent en danger écoutent davantage quand on leur parle plutôt que se fermer. En fait, c'est ça que vous dites. Oui, ça, voilà, c'est ça. Bah, ça me paraît pas idiot. Encore faut-il que les gens écoutent même quand on est gentil avec eux et qu'on est ouvert, ce qui n'est pas exactement le cas parce que sur la santé, les gens ont des avis. Si la pandémie nous a montré un truc, c'est qu'en France, on est 60 et quelques millions d'épidémiologistes. Les gens s'imaginent qu'ils sont experts des choses beaucoup plus que. Qu'en vrai, donc c'est l'ultra-crépédarianisme, c'est le mot à la mode. Et donc vous allez continuer à prendre de l'homéopathie parce que c'est pas dangereux pour vous. Oui, voilà, c'est ça. Bon. Et il n'y a rien qu'on puisse faire pour vous en. Qu'est-ce qui. Je pense que les dernières granules que j'ai prises, ça devait être il y a quelques mois, 3 mois, 4 mois, 3 granules. Donc c'est extrêmement rare. C'est vraiment dérisoire. Mais alors, du coup, c'est pas que je vais vous pousser dans votre champ, mais comme vous êtes un des rares personnes qui estime être un peu dans le camp des tenants, qu'est-ce qui pourrait vous faire changer la vie? Quel est l'argument qui pourrait vous dire, non, là, il faut que j'arrête, s'il y en a un? Après, il y a aussi le fait de, si je pouvais plus me permettre d'acheter un simple tube, parce que après, j'en ai encore plein chez moi, du coup, donc si je vais me dire, si je vais les finir, comme c'est juste des... Comme c'est... Puis aussi, pour me faire changer d'avis, il faudrait que j'arrête d'aimer le sucre, parce que... 3 petites granules sucrées comme ça, c'est pas un petit bonbon. Ah, d'accord. Je me souviens quand j'étais petit, je prenais ça. Et moi aussi, ma grand-mère m'a soigné. J'avais les petits granules le soir. En effet, c'était marrant. C'était sympa. Après, niveau goût, il y a mieux. Hein. Il y a plein de bonbons sympas, différents, mais le sucre va tous nous tuer, donc il ne faut pas en parler. Mais en tout cas, merci pour cette nuance-là. Je trouve que c'est important de montrer que ce n'est pas tout ou rien. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens dans votre cas, en fait, qui savent. Qui ont bien compris que ce n'était pas des médicaments comme les autres, des vrais médicaments, mais qui disent, de toute façon, ça ne peut pas faire de mal, allons-y. Et toute la question est de savoir, est-ce que cette attitude qui est la vôtre, est-ce que nous, sceptiques, on doit la critiquer au point de vous forcer à prendre une décision parfaitement rationnelle et logique, ou est-ce que cette irrationalité, on doit la tolérer? Et je pense qu'il faut être peut-être plus tolérant, c'est possible. Bah, donc, merci d'avoir été avec nous. Je vais me tourner vers le chat. Attendez, est-ce que là, il faut que je fasse des opérations, ça marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est moi qui... Alors, est-ce qu'il y a d'autres gens qui seraient plutôt du côté des tenants croyants? Il y a Kenny qui n'a pas de micro. Dans ce cas-là, on ne va pas pouvoir parler beaucoup, beaucoup. Sceptique pour les de la santé. Même proposition, pourquoi ne pas le proposer à des patients si ça peut l'empêcher d'aller voir un simple homéopathe? Je vais vous donner la parole, puis d'ailleurs, parce que je comprends pas ce que. Enfin, je crois que je comprends, mais je ne suis pas sûr de comprendre. Donc, pour être sûr de comprendre, qu'est-ce que vous entendez par là, Pudel? Vous avez la parole. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Monsieur, dame, Pudel. Il faut ouvrir votre micro, appuyer sur ce petit bouton pour vous démuter. Et vous prendre m'entendez? La. Oui. Oui, bonjour. Enfin, bonsoir plutôt. Oui, ma question était un peu tordue, mais c'était volontaire. Moi, en fait, je me posais la question. Donc, je suis professionnel de santé, je suis tout à fait conscient des limites de l'homéopathie, de ce que ça peut faire, de ce que ça ne peut pas faire. Et je me dis donc, si, admettons, vous êtes médecin en cabinet, et puis vous avez un patient qui vient vous voir et qui vous demande de l'homéopathie, mais pas en substitut d'un traitement qui marche, plutôt, on va dire, pour un truc qui peut se soigner par placebo ou, on va dire, en complément d'un traitement. Est-ce que, finalement, en lui refusant, disons même, voilà, on lui explique que c'est un placebo, tout ça, mais la personne, elle veut vraiment son homéopathie, hein, comme le disait un des premiers intervenants. Est-ce que, finalement, on ne prend pas
le risque que cette personne-là se dise, ben lui, il veut pas, je vais aller voir quelqu'un d'autre qui va être d'accord, et ce quelqu'un d'autre pourrait être ce que j'appelle un simple homéopathe, c'est quelqu'un qui n'est pas médecin homéopathe, et qui va lui dire ok pour ça, mais qui va aussi lui dire ok peut-être pour plein d'autres pseudo-médecines alternatives. C'est dans ce sens-là ma question. En gros, la question c'est que, à l'heure actuelle en France, pour être homéopathe, il faut être médecin. Donc les homéopathes qui prescrivent, qui ont le droit de s'appeler homéopathe, doivent être médecins. Et donc ça fait un garde-fou, entre guillemets, c'est-à-dire que les homéopathes sont censés avoir une formation qui les empêche de rater un diagnostic et de donner un truc à quelqu'un qui aurait besoin d'un autre médicament. Or, on sait très bien que il y a, dans les dérives sectaires à l'heure actuelle, lorsqu'il y a des médecins qui sont impliqués dans des dérives sectaires, 80% sont homéopathes. Ce qui n'est pas le cas des médecins généraux. Il n'y a pas 80% de médecins qui sont homéopathes, mais ceux qui sont impliqués dans les dérives, ils sont homéopathes. Donc, balance bénéfice-risque, je comprends ce que vous dites, à savoir qu'il vaut mieux aller consommer de l'homéopathie donnée par un médecin, plutôt que retirer ce titre-là et que n'importe qui puisse être homéopathe. Et donc, ce soit un chaman ou ce que vous voulez, le volume. Mais, dans les faits, dans les dérives sectaires actuelles, être médecin ne protège pas contre des comportements complètement abusifs et dangereux et antiscientifiques. Et on voit régulièrement des homéopathes sur les plateaux télé qui disent des conneries et ils sont pourtant médecins. Donc, est-ce que le statut de médecin homéopathe protège des gens ou est-ce qu'il ne continue pas, il contribue pas à alimenter l'idée que l'homéopathie appartient à la médecine ? Et donc, moi, je n'ai pas la réponse, hein, mais je fais contrepoids à ce que vous dites. Ce que vous dites est parfaitement juste. Et je pense qu'en face, on a aussi cette position-là qui est valable. Vous n'avez pas du tout d'autres professionnels, enfin, je ne sais pas, les naturopathes, ils ne peuvent pas prescrire ou... On peut être médecin et naturopathe, mais on ne peut pas se dire homéopathe sans être médecin en France. Et donc, du coup, ça apporte une protection, mais ça apporte une légitimation. Et donc je ne sais pas lequel est le plus dangereux que l'autre. En fait, j'ai pas la réponse. Mais au minimum, c'est compliqué, parce qu'il y a ces deux aspects. Voilà, en tout cas, merci d'avoir apporté ce point de vue-là. Alors, je suis pour l'utilisation de l'homéopathie. Et ben voilà, donc on a quelqu'un qui... Merci beaucoup, Pidel, d'avoir été avec nous. Donc, quelqu'un qui dit qu'elle est pour l'homéopathie, car elle pense que le bénéfice d'un placebo est supérieur au bénéfice d'un médicament pour les maladies bénignes. D'accord, c'est Hélène 51. Et bien Hélène 51, si je vous trouve dans le chat, je vais vous donner la parole, parce que ça se discute, cette position-là, et il y a des chances qu'on puisse débattre. Hélène, vous avez la parole. Si vous la voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé, mais enfin, a priori, vous l'avez demandé. Alors, oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez ? Parfaitement bien. D'accord. Alors, en fait, je pense que, étant donné que l'homéopathie est utilisée quand même principalement pour des maux bénins, des maladies spontanément résolutives, je me dis que elle permet d'éviter finalement la survenue d'effets secondaires indésirables induits par une médication qui pourrait avoir des effets secondaires, notamment pour les maladies spontanément résolutives, des maladies bénignes. Est-ce que finalement le bénéfice de l'utilisation de l'homéopathie comme placebo pour ce genre de maladie, elle serait pas finalement, ce bénéfice-là serait pas finalement supérieur au risque d'une utilisation inadaptée de médicaments allopathiques? Alors, je comprends parfaitement ce que vous dites, mais à ça, j'ai une réponse, qui est que si une situation ne réclame pas de médicaments, il faut pas en donner. Et ça rejoint, il y a d'autres gens qui ont fait la remarque, qu'il y a une pression des gens qui veulent absolument des choses, et peut-être que la réponse la plus raisonnable, ce serait pas de dire, vous avez mal, hop, prenez un cachet, parce que du coup, ça alimente l'idée qu'un bobo, un médicament, et donc l'homéopathie, quelqu'un dit, est top pour éviter la surmédication, je pense que c'est l'inverse. L'homéopathie alimente la surmédication parce que les gens sont habitués à, dès qu'il y a un problème, je prends un médicament. Alors que si on leur explique que là, dans votre situation, il n'y a pas de médicament à avoir, il faut attendre, il faut peut-être soigner un peu votre hygiène de vie, mais il n'y a pas de médicament à prendre,
alors il n'aurait pas ce réflexe, et il y aurait zéro effet secondaire aussi, et en plus il n'y aurait pas ce réflexe, un bobo, un médicament. Mais est-ce que les gens sont capables d'entendre cette parole-là? Peut-être que lorsqu'on est médecin, c'est compliqué de faire accepter ça à un patient, et là tout est problème, je pense. Mais je me demande si, en disant ça, vous ne négligez pas le bénéfice quand même de l'effet placebo. C'est vrai. Enfin, ça pourrait être l'homéopathie aussi bien qu'un guéri ou un bisou magique. C'est vrai. Mais dans l'effet placebo, l'effet principal, c'est la confiance qu'il y a avec le praticien. Si le praticien vous dit, là, pour ça, oui, il faut vous hydrater correctement, il faut marcher un peu tous les jours. Vous voyez, enfin, les conseils de base de l'hygiène de vie. Et si c'est le médecin qui les prescrit en insistant sur le fait que pour ça, c'est parfaitement adapté, je pense que les effets contextuels reviennent. Pas tous, mais et je pense que c'est là vous avez raison, il faut absolument exploiter au maximum les effets contextuels, je suis d'accord. Mais est-ce qu'il faut toujours que ce soit associé à la prise d'un cachet? À mon avis, là on commence à alimenter la logique, un bobo, un médicament, qui est l'inverse de ce qu'on devrait vouloir faire, je crois. D'accord, merci. Mais je vous en prie. Je ne sais pas si j'ai cessé la réponse, mais c'était bien d'avoir cet échange. D'accord. Alors, on a Asfo ou Chloé Sla qui dit « J'ai été soigné à l'homéopathie toute ma jeunesse. » Et, attendez, je m'occupe de ça. Et j'ai commencé à m'en détacher il y a une dizaine d'années. Suite à la découverte de la tranche rambier, je suis encore plus loin de cette pratique, mais il y a certaines choses dont j'ai du mal à me détacher. Alors, on va parler un peu de ça. De quoi est-ce que Chloé... Je ne sais pas comment on prononce ça. Chloelza a du mal à se détacher, si je la trouve... Mais je ne la trouve pas dans le chat, Chloelza, malheureusement. ABC, non, elle est là, tant pis. N'hésitez pas à revenir, à vous connecter, on pourra en parler. Mayo dit qu'il est en train d'inviter sa mère à prendre la parole. Et bien, Mayo, si votre maman veut, elle est la bienvenue, évidemment. Le but étant d'avoir quelqu'un qui défend son point de vue, et vous voyez bien qu'on n'est pas là pour juger les gens ou pour se moquer d'eux, au contraire, c'est hyper intéressant d'avoir des gens qui... Mais bon, c'est vrai que c'est courageux de venir face à les sceptiques et dire qu'on croit, entre guillemets, à telle chose, donc si elle veut venir, elle est la bienvenue. Dans l'intervalle, Chloelza est revenue, alors si je la trouve, elle me dit qu'elle est revenue. ABC, oui, vous êtes là. Alors, normalement, vous avez la parole. Là, si vous essayez, ça marche. Est-ce que... ça fonctionne chez vous. Il faut vous démuter, appuyez sur votre petit micro pour retirer la barre qui vous mute sur le canal. Chloelza, allumez votre micro. Il faut allumer votre micro. Si vous voulez pas, on ne pourra pas faire pour vous, en fait. Bon, tant pis. Tant pis. Donc je me tourne vers quelqu'un d'autre. Si Chloelza, ça fonctionne, n'hésitez pas à dire coucou. Mais pour l'instant, ça ne marche pas. Alors, Asfo me dit, pendant l'enfance, fille d'infirmière qui a été soignée, totalement sceptique, mais souhaite apporter une autre réflexion sur l'homéopathie dans le système de santé actuel. Voilà, parce que le contexte du système de santé est compliqué, mais Asfo, vous n'êtes pas dans le chat intervention, donc je ne peux pas vous donner la parole. Il faut... cliquez sur intervention, être présent dans le chat. Il faut éteindre votre YouTube pour pas qu'il y ait de son qui nous revienne dans les oreilles. Et il faut suivre la discussion directement sur Discord et pas sur YouTube, parce que là, c'est compliqué. Donc, je n'ai pas Asfo. Et alors, Chloelza, est-ce que ça marche maintenant? Toujours pas. Bon, bah, c'est le problème de la technique. Hein. Alors, je remonte pour voir si quelqu'un d'autre veut prendre la parole. Pas de micro. Bon, alors moi, je vais dire un truc ou deux, puisque j'ai pris des notes. Notamment pour parler de la posologie. Alors, soit on accepte que l'homéopathie n'a fait aucune preuve et auquel cas on balaye tout, mais si jamais on est encore dans la position de se dire « mais peut-être que ça marche », moi je me pose la question de la posologie, donc de la dose avec laquelle on fait les choses, parce qu'on sait bien qu'à partir de 12 CH, de 12 K, il y a en moyenne une molécule ou moins de la substance de base dans le médicament, donc c'est pas beaucoup, mais après on peut monter à 30 CH, 100 CH, 15 CH, et donc je vais vous lire, je vais revenir avec Pulsatilla, c'est le médicament que j'ai choisi comme exemple ce soir. On dit que 5 granules de Pulsatilla une fois par jour pendant 60 jours pourront soulager les personnes émotives, d'humeur changeante, qui sont sans cesse dans un état dépressif. Bon,
On peut aussi soigner le rhume et les rhinopharyngites avec 30 CH, une dose par semaine pendant un mois, la conjonctivite, 9 CH, 5 granules matin et soir, les urticaires récidivantes, 9 CH, une dose par semaine pendant 3 mois, les écoulements purulents dans les oreilles, 15 ou 30 CH, une dose quotidienne pendant 3 jours. Elle faciliterait l'expectoration des mucus en cas de bronchite, 5 CH toutes les 4 heures. Bref, on a une foultitude de posologies diverses et variées. Et le problème, c'est que lorsqu'on cherche comment est-ce qu'on sait qu'il faut cette dose-là, on n'a pas d'infos. Si on vous dit qu'il ne faut pas dépasser telle dose de paracétamol, si vous absorbez 8 grammes de paracétamol, votre foie est détruit, vous allez mourir. On le sait, il y a une dose limite de toxicité. On n'a pas de dose de toxicité pour l'homéopathie. Et on n'a pas de justification de tel traitement avec telle dose, tant de jours. Et en fait, ça sort un peu du chapeau des homéopathes. Et je ne sais pas, et je soupçonne que ça n'existe pas, je ne sais pas où trouver la source de, voilà, on a testé tel protocole, et c'est ça qui soigne telle chose. Quand on sait un peu comment marche l'homéopathie et la méthode, on sait que c'est pas ça qu'ils font, mais c'est ça qu'on pourrait s'attendre à voir. Et lorsqu'on voit toute la galaxie des différentes doses de traitement avec le même médicament pour soigner plein de trucs différents, ça devrait mettre la puce à l'oreille et dire, mince, c'est quand même extrêmement bizarre que ce médicament soit utilisé sous autant de formes différentes pour autant de choses différentes, alors que l'homéopathie nous dit qu'elle est individualisée. C'est ça aussi qui est assez étonnant. Donc voilà, si vous êtes plutôt pro-homéopathie, est-ce que cette question-là ne vous suggère pas un peu de doute? Je pense que ça devrait. Donc Asfo me dit qu'elle est de nouveau présente dans le chat, alors je vais voir si je la trouve. Asfo, vous êtes là. Comment? Pardon, c'est Chloé Elsa. Chloé Elsa. Bon, alors on commence par vous. On prend... Alors vous, qu'est-ce que vous vouliez nous dire, Chloé Elsa? Alors, bah moi, j'ai toujours été soignée avec de l'homéopathie par ma mère. En effet, c'est toujours la maman qui soigne. Oui, hein. Et j'avais un médecin qui me connaissait depuis que j'étais toute petite, depuis ma naissance finalement, et qui m'a toujours soignée à l'homéopathie. Et comme je n'avais pas des choses très graves, je m'en suis très bien sortie. Ce n'était pas un médecin qui était anti-vaccin, par ailleurs. Oui, c'est vrai que vous soulignez, il y a quand même une corrélation. Les médecins anti-vaccins sont souvent homéopathes. L'inverse n'est pas forcément vrai, mais dans ce sens-là, ça marche. Et il y a des raisons. Pardon. Mais après, il était... Enfin, voilà. Et un jour, j'ai eu en revanche quelque chose d'assez grave. Je faisais des infections des reins à répétition, ce qui est quand même assez... Ça peut être assez grave et assez grave rapidement. Et il se trouve que là, il a commencé à montrer des signes de faiblesse en termes de diagnostic, d'une part, et surtout en termes de méthode. C'est-à-dire qu'il me donnait des antibiotiques, ce qui n'était pas contre non plus le fait de donner des antibiotiques, et il me demandait de faire des analyses urinaires après. Ce qui est absurde, parce qu'une fois qu'on commence à faire une analyse, enfin voilà, une fois qu'on prend un antibiotique, l'analyse est biaisée, donc ça ne va pas. Et moi, je ne savais pas ça, parce que je ne suis pas médecin, donc voilà, je faisais ce qu'on me disait, je prenais mes antibiotiques, j'allais faire mes analyses, tout allait bien. Et forcément, ça a duré longtemps. Comme c'était des pyélonéphrites à répétition, en gros, je prenais 15 jours d'antibiotiques, 5 jours après à l'arrêt des antibiotiques, je refaisais une infection urinaire, une infection des reins même, ce n'était pas seulement une infection urinaire. Et là, il me dit, bon, bah, au bout de la quatrième fois, il me dit, bon, bah, si tu refais une rechute, on t'enverra voir un urologue. C'est la quatrième fois que je fais une rechute, on va peut-être le faire maintenant. En fait, l'urologue serait pas mal. Oui. Et en effet, j'avais un problème mécanique, en fait, qui ne pouvait pas se régler juste avec des antibiotiques. Il fallait régler le problème autrement. D'accord. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire, bah, y a peut-être un truc qui n'est pas... Ça fonctionne pas à tous les coups. Donc, comme ça fonctionne pas à tous les coups, il faut peut-être que je regarde ailleurs. Et après, je suis tombée sur un autre médecin qui, lui, est un médecin classique et qui me soignait, enfin, bien pour ce que j'avais. Donc, c'était très bien. Par ailleurs, je suis danseuse. Pour le plaisir, pas professionnellement, mais je suis danseuse.
Et je vois, même si je me suis détachée beaucoup de l'homéopathie pour tout un tas de choses, je vois, et notamment aussi pour, je fais une digression avant de commencer, avant de commencer ce que j'avais à dire, tout ce qui est psychologique, psychiatrique, psychologique, ma mère me donnait, bah, si, prends une Ignatia, c'est bien, si tu vas pas bien. Ah Bon, oui, c'est sympa, mais bon, quand on a vraiment un problème de dépression, une Ignatia, ça suffit pas. Hein, non, vraiment, la dépression est une vraie maladie qui mérite des vrais médicaments. C'est absolument. Exactement, c'est ce que je me tuais à lui dire. Mais en revanche, donc je suis danseuse pour le plaisir. Je fais beaucoup beaucoup de danse et même si je sais que ça marche pas, et bien une semaine où je ne prends pas d'arnica et une semaine où j'en prends, c'est pas la même semaine au niveau du ressenti Ah oui, physique. d'accord. Et pourtant, je fais la même, les mêmes horaires de danse. Bon, alors maintenant, je ne fais plus rien parce que personne ne fait plus rien, mais. Mais voilà, à l'époque où je faisais beaucoup de danse, une semaine d'Ignatia, enfin une semaine où je prenais mes petites granules, où j'y pensais, parce qu'il y a ça aussi, et une semaine où j'y pensais pas, eh bien c'était très différent. Et malgré le fait de ne pas y croire, et encore plus depuis que, en effet, j'ai découvert la chaîne et tout un tas d'autres, pas seulement vous, Oui, vous êtes monsieur. bien, mais vous êtes pas tout seul. Non, non. Donc Et donc, fatalement, voilà. là, vous avez ce qu'on peut appeler une preuve. Vous vivez la preuve physique que lorsque vous les prenez, vous allez mieux. Donc, c'est ce que les Mais gens j'arrive pas à le qui. sentir comme une preuve, c'est ça Non, qui mais je est comprends, étonnant. mais Enfin, c'est vraiment le vocabulaire qu'ont les gens qui sont pro-homéopathie, c'est qu'en général, ils disent ça, ils disent ce que vous dites, et de cela, ils en affirment que c'est la preuve que ça fonctionne. Et on ne peut pas leur en vouloir, parce que quand on fait l'expérience personnelle. C'est comme pour le paranormal, c'est comme pour toutes les choses où on a des gens qui témoignent de quelque chose qu'ils ont vécu. On ne peut pas leur dire non, c'est pas vrai. On peut juste essayer de leur expliquer que le ressenti n'est pas toujours corrélé à la réalité. Et même ça, c'est extrêmement. En fait, on est sans voir, on est violent. Parce que la personne vous dit, mais moi je suis quand même pas fou. Ce que je vis, je le vois bien. Vous dites bien que quand je prends pas le médicament, je le sens bien que c'est pas pareil. Et en fait, moi j'ai pas la réponse à tout, mais on peut expliquer pourquoi. Lorsqu'on prend quelque chose, il y a le rituel, etc. Et donc, il y a tous les effets contextuels qui peuvent s'additionner. Mais dans votre cas particulier, peut-être que c'est encore autre chose. Peut-être qu'on n'a pas mis le doigt sur la raison par laquelle vous allez mieux. Et il faut être modeste, il faut être humble, dire que on sait que c'est pas le médic, c'est pas un principe actif. Ça ne veut pas dire qu'on sait ce qui fait, ce qui produit Ce l'effet. qui se passe, oui, bien Voilà. sûr. Non, mais enfin voilà, je suis étonnée moi-même en fait Oui. de ressentir un effet alors que bon, bah, je suis quand même très Mais très loin de. Enfin, je suis arrivée plus loin, très loin de ça en tout à fait. fait. Alors moi je vous rassure, j'ai pas d'effet. Hein. Tout à l'heure, je me suis enfilé une plaquette de sédatif Une PC. plaquette. Je n'ai pas spécialement sommeil. En revanche, et je l'ai confessé dans une vidéo sur l'homéopathie, moi je prends de la lisopaïne. Enfin, quand j'ai mal à la gorge, en ce moment ça va très bien, je suis content. Mais il fut une époque où j'avais des répétitions et après avoir appris que il n'y avait pas de preuve. C'est pas qu'on a la preuve que ça marche pas, c'est qu'il n'y a pas de preuve que ça marche. Mais enfin, la différence est quand même assez floue. Et je suis comme vous, c'est-à-dire que j'ai un tube à la maison, et quand je dois me déplacer en conférence, j'en prends un, parce que je me dis si jamais ça va pas. Et je sais bien que c'est pas le médicament qui me soigne, n'empêche que si je l'ai, je suis rassuré. Et être moins stressé, ça, on sait que Oui, ça a un effet sur la santé. Et c'est peut-être ça le truc, c'est c'est peut-être le qu'on. rituel qui soigne, entre guillemets, enfin entre très gros guillemets avec des pincettes, mais c'est Le peut-être rituel le rituel. des sportifs, on a fait une émission sur la superstition et le sport. C'est vrai, On sait que le rituel a un effet, puisque a un effet sur le niveau de stress diminue. Et quand le niveau de stress diminue, la performance est améliorée et l'état de santé peut aussi être amélioré. Donc il faut pas négliger ça, quoi. Il faut pas négliger bien sûr, cet ah effet-là. ouais. Oui, c'est peut-être que ça rassure, tout simplement. Ça me rassure de prendre de l'arnica et donc j'ai moins mal après. C'est Je sais pas, possible. oui, en tout cas, c'était voilà, c'est intéressant. Mais c'est vrai que je me suis pas éloignée seulement par. Enfin, je me suis éloignée quand ça a commencé à pas marcher, mais quand ça a commencé à être grave, quoi. Enfin, c'est ça qui m'a éloignée finalement de l'homéopathie. C'est quand Ah oui. j'ai été confrontée à quelque chose de grave où on ne me soignait pas, ou en tout cas la réponse qu'on m'apportait était. Pas suffisante, voilà, c'est ça qui m'a fait partir. Mais jusqu'à, je sais pas, c'était il y a 15 ans, jusqu'à il y a 15 ans, j'en prenais comme, enfin voilà, comme on fait Oui. pour un peu n'importe quoi. Pour C'était quelle ma maman raison qui est-ce donnait que les vous pilules. n'auriez pas cru, puisque votre maman vous aime et qu'elle vous soigne bien?
On la croit. Oui, non, mais c'est ça, absolument. Et absolument. Tout est là. Bah, merci beaucoup pour votre témoignage. Je vais donner la parole à Khan alors j'ai oublié ce qu'il voulait dire, mais je sais que j'ai dit ok, ça a l'air intéressant. Bah, sa femme est médecin et ça pose la question de la pression des patients qui veulent absolument quelque chose. On peut pas leur dire juste non, barrez-vous, j'ai rien à vous donner. Et donc voilà, c'est le homéopathie serait l'espace de liberté où le médecin peut essayer de faire quelque chose de correct. Khan, vous êtes là? Je vous ai vu dans le chat, mais je sais pas. Attendez, je vous ai... Allô. Allô Thomas. Oui. Oui, bonsoir. Alors moi je vous appelais parce que ma femme est un médecin, oui, dermatopédiatre en ville, attaché à un célèbre. Attends. Oui. Vous m'entendez? Tout à fait. Tout marche bien. Ok. Ça marche. Donc ça, mais est médecin, et donc, eh ben ça marche plus. On n'a plus de signal. Donc si vous avez un bouton pour parler, appuyez sur la touche pour que votre micro prenne en charge votre voix, parce que là ça marche plus. Allô. Et, oui. Allô, bonjour. Ah ok. Ça marche maintenant. Tout à fait. Donc je vous disais, ma femme dermatopédiatre et. On a commencé à discuter de l'homéopathie il y a quelques années déjà. Et ce qui, en premier lieu, ce qui m'a choqué, c'est le manque de formation des médecins, ou de connaissances plutôt. Moi, j'ai entendu parler de l'homéopathie et via un livre d'Henri Brock dans les années 90. Mmh. Et elle ne savait pas du tout, elle était... Elle était sceptique comme ça, mais elle ne savait pas d'où ça venait. Et en discutant avec d'autres amis médecins, en fait, il y a très peu d'informations dans leur formation et leur cursus sur l'homéopathie. Et ça, c'est assez dérangeant. Alors, on ne vous entend plus. Allô, ouais. C'est revenu. Donc, vous dites, c'est dérangeant de voir à quel point les médecins ne sont pas formés là-dessus? Exactement. Oui, je suis d'accord. Et ils sont pas pour. Enfin, elle est spécialiste, ma femme. Donc elle a fait 13 ans de médecine, etc. Mais ça n'a jamais été abordé en profondeur. On ne sait pas d'où ça vient. On n'évoque pas Benveniste, par exemple, des choses comme ça. Oui. Et on laisse un peu couler. D'accord. Donc, après, bah, est-ce qu'il faudrait. Développer ça dans les écoles. Est-ce qu'il faut retirer l'homéopathie du cursus ou est-ce qu'il faut en faire davantage, mais d'un point de vue un peu plus large, sceptique, sociologique, pour expliquer pourquoi les gens y tiennent, en fait. Et moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Je pense que vraiment, il ne faut pas le balayer comme ça. C'est quelque chose qui est dans la culture, qui est installé. On ne va pas le virer comme ça. Mais ça ne marche pas, pour ce qu'on en sait. Donc, on ne peut pas juste... Voilà, il faut qu'on fasse quelque chose. Et après, je voulais aussi intervenir concernant pratiquement qu'est-ce qu'elle fait dans son cabinet. Voilà. Parce qu'elle a beaucoup de patients qui viennent et qui demandent. C'est un peu le self-service pour avoir des médicaments, des prescriptions. Et donc, elle est confrontée souvent dans son cabinet à dire on ne sait pas ou on n'a pas de certitude, on va voir comment ça évolue. En plus, on parle d'enfants. Les parents sont encore plus angoissés, stressés, ça va en relief. Et ils n'acceptent pas le. On ne sait pas où on va voir. Ça évolue. Oui. Et donc, on ne prescrit rien en attendant parce que ça ne sert à rien. Et on demande des fois de l'homéopathie ou des pommades ou des choses comme ça. Et elles disent. Alors, au début. Elle voulait être très transparente, etc. On en discutait. Donc si elle prescrivait pas, elle expliquait pourquoi, etc. Mm-hmm. Et au fur et à mesure, ça devenait. Elle perdait beaucoup de temps dans chaque consultation à expliquer. Donc elle a décalé ça au suivi le soir. Donc elle échange par mail beaucoup avec ses patients.
pour suivre les maladies, etc. Et ça fait écho un peu à ce que vous disiez sur la notion de confiance. On a remplacé le placebo par la confiance entre le médecin et le patient. Oui. Ça, je pense que c'est très important. Bah, je pense que c'est la bonne chose, en fait, à faire. Ok. Ouais. Et vous avez évoqué les parents. Je vous encourage à aller voir l'émission qu'on a faite récemment sur la parentalité bienveillante, parce qu'être parent en 2021, c'est particulièrement stressant vu qu'il y a plein de conseils partout et on n'est jamais à la hauteur. Donc il faut, voilà, il faut que les gens puissent se rassurer sur ce niveau d'exigence. Et les parents réclament des médicaments pour leurs enfants. En face, il faut des patients, des médecins qui puissent communiquer, quoi, et c'est compliqué. Alors là, je vois plein de gens qui... Merci beaucoup, Kikane, d'avoir témoigné. De rien, bonne soirée. Je vois plein de gens qui vous verrez bien un peu tard, les gens. Vous dites, je vous ferai la parole maintenant. Et je vois des gens avec des profils plutôt intéressants, mais il est moins quart. Et on aurait dû finir, en fait, à 30. Hein. On fait une heure et demie, donc on dépasse. Je vais donner la parole à Alice Irine, qui est la maman de Meillot, qu'on a eu en début d'émission, et qui est une dame qui consomme, elle ne peut pas dire, qui croit. Je ne sais pas si on peut utiliser le mot, on verra avec elle ce qu'elle en pense. Et on va enfin avoir quelqu'un qui vient nous dire, voilà. C'est cette petite moi, je l'utilise. Et c'est pas une sceptique. Donc, allez-y, Irine, vous avez la parole, si vous la voulez. Bah écoutez, moi je veux bien. On Guillaume vous m'a demandé de lire le texte que je lui avais préparé pour votre intervention conférence. Mm-hmm. Alors, je ferai tout de suite quand même une différence entre je crois, je teste et je connais. D'accord ? Je ne crois pas à l'homéopathie. Alors, c'est quoi la nuance pour vous ? Pourquoi est-ce que vous pensez que vous connaissez ? C'est ce que je vais vous expliquer. Alors, l'homéopathie chez nous, d'abord, pour situer les choses clairement, je viens d'une famille de médecins, chirurgiens, dentistes, infirmières, pharmaciens, etc. Et je ne suis pas dans les métiers de la santé, je suis le vilain petit canard. Depuis toute petite, je connaissais l'homéopathie, j'ai 62 ans. Avec en particulier l'arnica pour les bobos, genre cou ou camomilla pour les dents. Nous nous sommes toujours servis des différentes médecines, allopathie, phyto et homéopathie, sans souci. L'automédication était une formation non-stop chez vous. Chez nous, pardon. Excusez-moi. Je savais enlever des fils, faire des piqûres intramusculaires, traiter les bobos tous les jours et décider quand aller voir le médecin ou aller aux urgences. Maman, j'ai continué pour mes bébés. Camomilla toujours pour les dents, gelsémium lorsque nous voyagions, belladonna pour la fièvre ou un débit de refroidissement, etc. Les choses se sont corsées avec des otites à répétition et deux surdités subites, ça veut dire que votre oreille du jour au lendemain n'entend plus rien, pour ma fille, soignée à l'hôpital des enfants Robert Debré à Paris sans succès. Protocole à base de corticoïdes et de vasodilatateurs. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça dilate les vaisseaux et ça augmente la circulation sanguine. Et les maladies, sans incessantes ou sans arrêt, les enfants se retrouvaient mis sous antibiotiques divers et variés par les médecins. On a déménagé 3 fois jusqu'au 5e enfant, donc on en a vu pas mal. Pour mon 5e enfant, j'ai sympathisé lors des cours d'accouchement avec une maman médecin. 1 mois après la naissance de mon dernier, j'étais hébergée chez elle lors des grandes tempêtes de 99 pour coupure d'électricité de 10 jours. Le bébé avait mal supporté la coupure de chauffage des 2 premiers jours qu'il avait fallu avant de savoir que le rétablissement de l'électricité prendrait du temps. Il partait dans une crève monumentale avec bronchiolite à la clé. Une bronchiolite, c'est une bronchite relativement grave pour les enfants. En 72 heures, c'était réglé par cette maman médecin homéopathe. Le bébé en pleine forme, pas d'antibio du tout, des granules 3 à 5 fois par jour selon les souches. Je suppose, alors vous m'excuserez, mais de temps en temps je fais de l'humour, je suppose que tout anti-homéo que vous êtes, sourire, vous avez étudié un peu les différentes façons d'agir des médicaments et que vous savez qu'il y a une surconsommation d'antibiotiques dans nos pays. Que le moindre problème n'est pas celui des résistances qu'il provoque chez l'humain. En utilisation intensive, on devient résistant aux antibiotiques qui ne marchent plus sur nous, mais aussi la perte de défense que nous possédions, sans parler des problèmes de mutation de virus qui s'adaptent. On n'emploie pas un bulldozer dans un bac à sable sans faire de dégâts sur le bac outil. C'est plutôt des mutations de bactéries, mais très bien.
En fait, comme je l'avais vécu enfant, je me servais toujours de toutes les médecines à ma disposition pour la santé de ma famille, avec évidemment l'homéopathie et la phyto en première intention toujours. Et mes médecins le savaient et me suivaient parfaitement dans la démarche. L'allopathie était donc une seconde intention utilisée lorsque nécessaire. C'est exactement la même chose, on vous prescrit de l'amoxicilline qui est un spectre large au départ, ça ne marche pas, on va vous prescrire de l'augmentin qui est un double antibiotique. D'accord ? Et cela marchait parfaitement. Bronchiolite, problème de reflux, angine, gastro, bref, les maladies de tous les enfants cédaient complètement peu à peu. Les enfants étaient en forme et l'allopathie disparut presque de notre placard en pharmacie, gardé pour des cas bien spécifiques. Par contre, cela ne réglait pas les sourdités de ma fille que les médecins de Debré avaient déclarées définitives au bout de 6 ans. Je fais un point également pour dire que pour une famille nombreuse, qui était notre cas, le budget santé est gros lorsque les enfants sont petits. Les antibiotiques coûtent cher et souvent une ordonnance allopathique dépasse les 30 euros en pharmacie. L'homéopathie ne coûte presque rien, une ordonnance était souvent inférieure à 10 euros. Je parle en euros, mais au départ pour moi c'était des francs et ça avoisinait les 100 francs. Loin de moi, évidemment, d'imaginer que des questions d'argent pourraient pervertir la vision des lobbies pharmaceutiques allopathiques dans la mission sacrée qu'ils poursuivent à nous vouloir en bonne santé. Alors arrêtons-nous là, sur le prix des médicaments. Puisque, parce que là, si on s'arrête là, comme ça. Moi je voudrais terminer. Vous voulez pas qu'on échange, vous êtes venu nous lire quelque chose et... Oui, je suis venu, mais je veux vous expliquer pourquoi c'est important. Parce que j'ai travaillé ensuite avec des médecins homéopathiques. Et un chef de service hospitalier pour les sourdités de ma fille. Ce chef de service hospitalier à qui j'ai demandé de coopérer à une démarche complètement hors norme, d'accord, m'a fait une réponse qui était fabuleuse. Il m'a dit, en tant que médecin, je n'y crois pas. Mais en tant que parent, je comprends votre démarche et je veux bien évaluer l'audition de votre fille régulièrement, sans problème. Donc, le traitement de ma fille qu'on a mis en place avec ce médecin homéopathique, mais pas que, a constitué en plusieurs formes de traitement. Ostéopathie, en particulier crânienne, énergétique, homéopathie, acupuncture, tout ça, ça a été réalisé par notre médecin. Au début, rendez-vous tous les mois, puis tous les 2 mois, puis tous les trimestres, puis au bout de 6 mois, un travail en finalisation d'un praticien Feldenkrais sur un mois. Est-ce que je peux vous demander le tarif ? Alors, tout le traitement de ma fille, qui était reconnu comme handicapé, d'accord, a été réalisé sur les 150 et quelques euros que j'avais par mois de l'handicap de ma fille. Pendant toutes ces étapes, ma fille a été suivie par un ORL, donc chef de service hospitalier, qui avait accepté de coopérer. Ce fut long, douloureux certaines fois, mais payant. 2 ans après le début, et là, excusez-moi, ça me prend toujours autant à la gorge, j'ai téléphoné un jour à l'ORL pour prendre rendez-vous pour ma fille. Mmh. Voilà, je suis désolée. Je suis désolée, ça me prend à chaque fois. Voilà. C'est important pour vous, j'imagine bien, mais on comprend très bien. Imaginez-vous sourd et ne pas pouvoir m'entendre, ce serait quand même une perte extraordinaire. Voilà. Mais alors, on vous entend. Il entendait de mieux en mieux et le disait. Lorsqu'il m'a rappelé au téléphone, il m'a dit « Je ne comprends pas, je ne sais pas comment il parle de notre médecin, a fait, mais votre fille entend et a pratiquement récupéré totalement son audition. Mmh. » Voilà pourquoi je dis que c'est stupide de ne vouloir voir qu'une face, qu'une vérité de chaque chose, y compris de la médecine. Mon boulot de maman sur le terrain me permet d'affirmer qu'en première intention, l'homéopathie, comme d'autres médecines traditionnelles, phyto, acupuncture, marche, guérissent et renforcent les personnes. L'allopathie, dans des cas plus spécifiques, étant alors indiquée. D'accord. D'ailleurs, qu'est-ce que vous appelez allopathie ? L'allopathie, pour moi, c'est entre autres tout ce qui correspond à une médecine occidentale qui répond, qui part du principe que la maladie est hors norme,
et qu'il faut l'éradiquer. Alors, est-ce que vous savez que l'homéopathie est occidentale ? L'homéopathie n'est pas qu'occidentale. Elle a des la médecine non plus. La médecine non plus. Non, mais l'homéopathie n'est pas qu'occidentale, elle a des racines beaucoup plus profondes. Ce que je veux dire, c'est que l'allopathie, je mets dedans les antibiotiques, la cortisone et un certain nombre de médicaments à effet secondaire non des moindres, d'accord ? Pour moi, ça, c'est de l'allopathie. L'homéopathie résulte d'une, mais de toute façon, vous avez dû l'expliquer avant, d'une dilution de produits oui. qui fait que, voilà, alors, donc on est bien d'accord. Mais attendez, parce que vous parlez d'allopathie et vous l'opposez à l'acupuncture. Est-ce que vous savez que non. l'acupuncture est de l'allopathie ? Non, je ne l'oppose pas. Je dis qu'il y a des formes de traitement différents. Non mais bon, là, du coup, je vais être plus clair. L'acupuncture, madame, l'acupuncture est de l'allopathie. Non. Ah, je vous assure, l'allopathie est un mot qui a été inventé par Monsieur Hahnemann, qui a inventé l'homéopathie. Excusez-moi, je vous entends mal. Vous m'avez dit l'acupuncture est de l'homéopathie ou vous m'avez dit l'allopathie est de l'homéopathie ? L'acupuncture est de l'allopathie. Alors, l'acupuncture n'est pas de l'allopathie parce que l'acupuncture est simplement la pose d'aiguilles qui font d'accord. réagir. Oui, on sait bien. Non, mais je vous assure, le mot allopathie, peut-être que vous ne connaissez pas son origine. Il a été inventé par Samuel Hahnemann. Et donc le mot allopathie, c'est tout ce qui n'est pas de l'homéopathie. Donc tout ce qui n'est pas de l'homéopathie, y compris l'acupuncture, est de l'allopathie. Donc pour envoyer un peu les concepts, parce que du coup vous mettez des choses ensemble et apparemment c'est pas aussi clair que ça. Ensuite vous avez parlé d'arnica. Vous connaissez le principe premier de l'homéopathie ? Oui. Le principe de similitude. Vous connaissez. Donc on prend une molécule, une substance, qui lorsqu'elle n'est pas diluée provoque une lésion, et lorsqu'on la dilue, la lésion est guérie. C'est le principe de base. Alors, on est d'accord là-dessus. Je vous arrête tout de suite. Je ne suis pas médecin. Je ne vais certainement pas discuter médecine. Non, mais je vous explique juste. Vous avez demandé un témoignage. D'accord. Je vous le donne. Pour les gens qui nous écoutent, j'explique que l'arnica, qui est un des plus vendus dans le genre, est un médicament qui viole le principe principal de l'homéopathie parce que l'arnica non dilué, on l'utilise pour soigner les bleus et les contusions, et dilué, on l'utilise pour faire la même chose. Absolument pas, jeune homme. On n'utilise jamais de teinture d'arnica sur une plaie ouverte. Je n'ai pas dit plaie ouverte, madame, j'ai dit contusion, échymose. Voilà. Or, les boules d'arnica, puisque chez nous, l'homéopathie s'appelle les boules d'arnica, vous pouvez les utiliser. Bref, donc, il y a une différence fondamentale entre les... Non, l'arnica est utilisée avec la même intention, qu'elle soit diluée ou non diluée, ce qui est un viol total du principe premier de l'homéopathie, donc ce n'est pas un médicament homéopathique pour tout le monde. Certains homéopathes estiment que ce n'en est pas un. Peut-être que vous l'ignoriez, maintenant vous le saurez. Et donc vous êtes venu nous expliquer que... Alors, pendant toutes ces études, je vous donne simplement mon témoignage. Oui, voilà. Opposer l'allopathie, l'homéopathie est juste une manœuvre politico-financière habituelle qui arrive. La reconnaissance de l'homéopathie, et là on va pouvoir parler sous, lui donner une part du gâteau pharmaceutique, ce que ne pouvaient supporter les entreprises laboratoires pharmaceutiques. Là, ce n'est pas un témoignage que vous donnez, vous êtes militante. Je ne suis pas militante, j'ai les yeux ouverts. Ce n'est pas d'accord. un témoignage de votre parcours que vous dites, vous donnez une vérité générale. Exact. Sauf que si vous voulez, j'essaye à la fois de vous suivre et de faire défiler ma page, donc c'est un peu compliqué. Alors, je disais simplement, mon témoignage c'est ceci, l'homéopathie demande beaucoup. Je n'ai jamais vu mon médecin recevoir moins de 50 minutes une seule personne. Je n'ai jamais vu mes deux médecins, puisque j'ai fréquenté deux médecins qui n'étaient que homéopathes, ne pas dialoguer avec la personne venue les consulter et que j'accompagnais. Je n'ai jamais entendu une chose que j'ai surentendue à Debré. C'est le protocole mis au point que nous devons appliquer. L'homéopathie est avant tout là pour mettre au point
un traitement individuel et petit à petit vous renforcer en développant votre adaptabilité et votre résistance. Là, et c'est... moi, la différence que je fais entre l'homéopathie et la médecine pharmaceutique telle qu'elle existe actuellement, antibio, cortisone et autres choses de ce genre-là, c'est qu'elle correspond à quelque chose qui est pour vous, avec vos défenses, vos problèmes, et qui va vous aider à résoudre le problème. Et là, encore une fois, vous n'êtes pas dans le témoignage, vous êtes dans la généralisation, et vous dites que c'est des vérités générales. Alors, il faudrait savoir ce que vous voulez faire. Soit vous voulez témoigner de votre parcours et on vous écoute, soit vous faites des généralités générales, et là, on vous répond. Donc, je vais vous répondre sur le coût. Lorsqu'on s'intéresse, et ça a été fait en Allemagne, en Angleterre, au coût des gens qui prennent de l'homéopathie. J'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, peut-être que vous n'avez pas écouté, les gens qui prennent de l'homéopathie finissent par coûter plus cher au système de santé parce qu'ils ont des retards de soins par rapport aux autres. Donc si vous voulez croire au lobby, les lobbies ont tout intérêt à ce que l'homéopathie soit consommée de manière massive au début pour pouvoir vendre beaucoup de médicaments trop tard aux gens et ça coûte beaucoup plus cher et ils meurent quand même. Donc cet argument du lobby, je veux bien l'entendre, mais d'abord, étape 1, est-ce qu'on a des preuves d'efficacité? Si on a des preuves d'efficacité, alors oui, il faut aller vers le médicament le moins cher. Mais entre un médicament qui coûte cher et qui guérit, et un qui coûte pas cher mais qui guérit pas, qu'est-ce que vous choisissez? Alors, il est bien évident qu'en tant que parent, je n'ai jamais mis en balance le coût d'un médicament pour mes enfants. Pardon, voilà. D'accord? Je vous dirais simplement ceci. Le petit frère de ma fille a eu la même aventure de surdité brusque sur une oreille. Traité par notre médecin, le problème a été réglé en 5 jours sans aucune séquelle. Et il était suivi toujours par le même ORL, chef de service hospitalier. Mais d'accord. Bon, alors, mais là, en fait... Au suivant, j'emmène ma fille à Debré, on contrôle, ils s'aperçoivent qu'elle entende. D'accord. La réponse de Debré, ça a été « Ce doit être une rémission temporaire due aux vacances, cela ne durera pas. » D'accord. Ma fille a 25 ans. D'accord. Ça s'est passé, elle avait 14 ans. Je terminerai par la phrase que 4 ans après l'ORL, le médecin donc traditionnel, chef de service hospitalier, ORL, etc., etc., qui avait suivi, m'a dit. Il m'a dit « J'envoie du monde à ce médecin. Je ne comprends toujours pas. Mais chaque fois que j'ai un cas que je sais ne pas pouvoir traiter, je l'envoie. Parce que je n'ai pas le droit de bloquer une guérison parce que je ne comprends pas. » D'accord. Et le fait est que quand on ne comprend pas, on ne peut pas attribuer à telle ou telle chose la guérison, puisque quand on ne comprend pas, on ne comprend pas. Et donc, le jour où on comprendra... Non, mais je vais quand même finir ma phrase. Et le jour où on comprendra, eh ben, on aura la réponse. Et le fait est qu'il y a des centaines, des milliers d'études sur l'homéopathie qui existent. On a des données. Et on a aussi des centaines et des milliers de témoignages de gens qui vont à Lourdes, qui guérissent à Lourdes. Mais il y en a d'autres, il y en a plus qui meurent sur la route que guérissent, mais on a plein de gens. Et donc on a, et malheureusement c'est l'heure, il faut qu'on termine, donc je ne sais pas si on pourra entendre quelqu'un d'autre après vous, c'est un peu long. Mais le témoignage, l'anecdote personnelle, de votre côté, on a l'occasion de le dire, évidemment vous l'avez vécu, vous voyez des liens de causalité, et ce n'est pas moi ici qui vais pouvoir vous faire changer la vie, ce n'est pas mon but. En revanche, je, pour les gens qui nous écoutent, il faut quand même bien réaliser que l'anecdote personnelle, il y a des gens qui vont vous raconter des histoires qu'ils ont vécues pour de vrai, et ils tirent des conclusions sur les liens de causalité entre ce qu'ils ont fait et les conséquences. Or, pour tirer un lien de causalité, il faut isoler les facteurs. Et ce n'est pas sur un cas particulier qu'on peut le faire, et c'est pour ça qu'on a besoin d'études de manière plus large. Et l'homéopathie a maintenant 200 ans, et en 200 ans, on n'a jamais réussi à avoir des preuves d'efficacité. Alors, un mot de la fin ? J'ai une chose à vous dire, et pourtant elle tourne, 1633 Galilée. Oui, madame, oui, je suis au courant. Donc vous prenez pour Galilée. Envisagez que nous n'ayons pas les outils actuellement pour comprendre. Peut-être que s'il faut comprendre quelque chose qu'on ne comprend pas, il faut éviter de dire qu'on a compris, madame. Étape 1. J'ai jamais dit que j'avais compris. Donc, vous affirmez avoir compris que c'était ce médecin-là qui avait fait quelque chose, qui avait guéri votre fille. La preuve n'est pas là. Non. Le traitement.
Pardon ? C'est pas le médecin, c'est ce traitement-là. D'accord, on peut juste sur les mots, c'est le traitement, mais on n'a pas la preuve que le traitement a fonctionné véritablement. Et c'est tout le problème, c'est que vous êtes absolument certaine de vous, et moi j'ai les doutes, et je pense qu'il vaut mieux douter lorsqu'on n'a pas la preuve. Alors, moi ce que je dis, c'est que Robert Debray m'avait complètement laissé tomber, après 6 ans de cortisone pour ma fille, et je peux vous dire que les dégâts de 6 ans de cortisone, c'est quelque chose, d'accord ? Il n'y avait plus rien à faire. Je ne me suis pas arrêtée là. La série de traitements que je vous ai énumérés tout à l'heure a marché. Vous dire la part de l'homéopathie, je n'en sais rien. D'accord. Ce que je sais, c'est que ma fille entend. Très bien. Très bien. Il y a un étudiant en médecine qui voulait réagir à ça. Merci d'être venu témoigner. C'est important. Je vous remercie de m'avoir laissé parler. Je vous en prie. Mais c'est pas évident d'avoir un échange en fait. Donc il y a Laurent de Chêne, et on fait que 2 minutes parce que là on a déjà dépassé. Donc il y a Laurent qui voulait réagir en tant qu'étudiant en médecine, peut-être pour dire quelques mots sur le cas particulier. Moi je ne suis pas médecin, donc je n'ai pas d'éléments pour contredire ce que cette dame a dit. Je ne connais pas les parcours de soins, je ne connais pas ces affections-là. Laurent, vous avez la parole, et on fait ça très vite parce que je ne veux pas que mon équipe reste au travail trop longtemps, et voilà, il faut respecter les horaires. Laurent. Bonsoir. Bonsoir. Donc je suis étudiant en médecine à l'ancienne Paris Descartes. Et justement, en fait, son témoignage, j'ai l'impression que c'est pas si rare que ça, enfin, c'est assez fréquent. Et que, justement, en fait, ça pourrait. Par exemple, l'histoire qu'elle nous a racontée par rapport à sa fille et la surdité, justement, Robert Debray, peut-être qu'ils ont affirmé qu'elle avait une pathologie et que c'était on ne pouvait pas la guérir, justement. Alors que peut-être que le diagnostic a été faux et qu'il y a des erreurs diagnostiques qui sont toujours possibles et que potentiellement sa fille aurait pu guérir spontanément. Peut-être qu'on lui a donné du cortisone justement pour une inflammation qui aurait pu se résorber tout seul, mais on ne peut pas l'affirmer actuellement. En gros, le corps guérit tout seul dans beaucoup de cas, et il y a des fois des gens qui ont des maladies graves et qui guérissent sans qu'on n'ait fait rien et on ne sait pas pourquoi. Donc qui est du mystère, c'est évident. Mais voilà, dans quelle mesure est-ce que ce type d'affection-là est propice à ce qu'on ait des rémissions spontanées ou des choses comme ça ? Est-ce que c'est possible ? C'est ce que vous me dites que c'est ça ? C'est sans doute ça ? Oui, justement, on a des chiffres. C'est possible. J'ai pas regardé les chiffres, mais je sais que ça existe. Justement, il y a plusieurs cas où mystérieusement ça guérit. Il y a des cas d'inflammation chronique depuis plusieurs années qui spontanément s'arrêtent. Donc ça, c'est possible. Justement, le cas de sa fille, je ne sais pas ce que c'était, mais je suppose que ça a dû être dans ce genre de mécanisme, et que peut-être que la dame, elle confond, peut-être que c'était une probabilité dans cette période où aller voir justement l'homéopathe, et que peut-être l'homéopathe lui a donné des homéopathies, et qu'en fait, ça aurait été juste une rémission naturelle, et non due à l'homéopathie. D'accord. Mais ça, on ne peut pas porter le jugement sur ce cas particulier parce qu'aucun de nous ne connaît le dossier et puis ce n'est pas le lieu. En revanche, peut-être que vous pourrez me dire, des cas où des enfants font des otites à répétition et finissent par être sourds parce qu'ils n'ont pas été soignés, parce que les parents préféraient une médecine différente et ont trop tard appliqué des soins qui fonctionnent, ça, il y en a quelques-uns quand même, me semble-t-il. Oui, c'est sûr. Donc ce risque-là est aussi important. Donc il ne faudrait pas laisser entendre que lorsque quelqu'un a un problème d'otite grave, je ne sais pas comment ça s'appelle, il faut aller d'abord voir de l'homéopathie. Ce n'est pas ce que cette dame a fait d'ailleurs, donc très bien. Elle a d'abord été voir des médecins avec des traitements plutôt éprouvés. Mais la médecine est à la fois un art et une science, c'est très compliqué de porter des jugements et d'établir un lien de causalité. C'est pour ça qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études et qu'il faut du temps avant de dire que telle molécule marche contre le Covid, par exemple. Il faut du temps. Mais quand on a ce type de témoignage, c'est très fort. La dame y croit vraiment, la dame est parfaitement sincère, et je pense qu'elle nous fait un récit qui est fidèle par rapport à ça. Et il n'y a pas de réponse qu'on peut avoir, nous, à part rappeler les études, la littérature, et dire qu'on n'a pas de preuve que ça marche, et donc la position qu'on a, elle est forcément beaucoup plus faible. Donc quand on est médecin ou étudiant en médecine, est-ce qu'on a une position là-dessus, une parole qui peut être entendable, et on finira là-dessus. Je pense que globalement,
on va dire que la médecine traditionnelle est généralement conventionnelle. Enfin, on affirme que ça ne fonctionne pas, mais que l'effet placebo est réel et que, enfin, par exemple, dans le milieu hospitalier, pour des petits cas de blessures, on peut donner. Enfin, j'ai déjà vu en tout cas des pratiques de donner des placebos, mais c'était pas du tout de l'arnica montana, etc. Et vraiment des bouts de sucre, et on disait aux patients que c'était vraiment un médicament, mais on donnait pas de nom. Oui, c'est bien. Et finalement, ça fonctionnait. Donc, dans certains cas, c'est vraiment bénéfique. On est sûr qu'il n'y a pas d'effet indésirable, etc. Mais par exemple, dans de gros cas où, par exemple, on ne peut pas soigner le patient et que c'est incurable, dans ce cas-là, c'est plus compliqué. Et donner, par exemple, un effet placebo, enfin, de l'homéopathie, je ne sais pas si c'est recommandable. Ouais. Enfin, là, ma question était d'autre plus générale. Bon, après, c'était peut-être qu'il faut avoir plus de bouteilles qu'un étudiant sans vouloir être. Vous rabaissez, parce que qu'est-ce qu'on fait face à un récit comme ça ? Il faut entendre ce que c'est d'Amélie, c'est pour ça que l'émission existe, pour entendre cette parole-là. On sent bien que les paroles que nous on peut avoir en face vont pas la convaincre. Il faut pas avoir envie de la convaincre, mais il faut comprendre qu'il y a d'autres gens qui vont faire des choix thérapeutiques basés sur ce type de récits-là, qui sont des récits vrais, dans lesquels il y a des trous. Et les trous sont remplis par des inférences logiques. On dit c'est ça qui a marché et c'est pas prouvé. Et à côté, on a des études qui ont tendance à montrer que c'est pas ça qui a pu marcher, c'est autre chose. Et on est démunis pour parler aux gens. Et je suis pas sûr que les médecins soient moins démunis qu'on l'est ce soir. Quoi. Et c'est très compliqué. Et c'est pour ça que l'homéopathie et les médecines parallèles ont une place. C'est parce que la médecine, c'est compliqué et qu'il y a parfois des guérisons qu'on ne comprend pas. Et je pense qu'il faut avoir cette humilité-là et ne pas dire que parce que quelqu'un a guéri et que juste avant, je lui ai filé du Perrier ou un sédatif PC, alors c'est ça qui a marché. Mais c'est compliqué de se retenir de conclure. Et ce sera ma conclusion. Je ne me retiens pas de vous le dire. Voilà, bon, en tout cas, désolé pour ceux qui n'ont pas pu prendre la parole, vous voyez bien que c'est compliqué de... si vous voulez prendre la parole pour les prochains, n'hésitez pas à la demander très tôt dans l'émission. Parce que c'est compliqué de quand on arrive à 22h de continuer, on a un horaire, hein, il faut qu'on s'arrête. On refera sans doute des sujets sur la santé et sur les médecines parallèles plus tard, pas tout de suite. J'espère que ça vous paraît intéressant ce qu'on a fait là, qu'il y aura davantage de gens plutôt tenants croyants qui viendront. Vous voyez qu'on vous écoute quand vous venez. On n'est pas d'accord, mais on vous écoute parce que c'est important. Et voilà, je ne sais pas s'il y a des messages, j'ai des petites faits. Voilà, il faudra qu'on revienne sur le placebo. C'est quoi le placebo? Je vous invite à voir, je crois que c'est la vidéo numéro 4 ou 5 de la série sur l'homéopathie. Je parle du placebo et je développe ce que c'est. J'en parle aussi dans le bouquin. Le placebo est mal compris, hein. Donc la prochaine émission, il n'y a pas de date encore, ce sera courant mars ou avril, si jamais on n'arrive pas à faire savoir, parce que mars ça va être un peu chargé. Je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous, faites les bons choix thérapeutiques pour vous et vos proches. Et attention aux idées que vous essayez de mettre dans votre tête. Lisez Corentin, bien le bonsoir.